Bienvenue à tous, bienvenue à Bollard de l'Ulis, vous êtes merveilleux ce soir. Déjà à cette heure-ci, ça bouge, ça chante, il y a des couleurs, bravo, 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 et ça ne fait que commencer. Voilà, et comme d'habitude, ils sont chauds, c'est très bien. Allez, comme d'habitude, on accueille les ramasseurs de balles du match. Les ramasseuses, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de filles, enfin, c'est un mix, ramasseurs et ramasseuses. Bonsoir, ça va? Oui. C'est la première fois que vous faites un ramasseuse de balles? Oui. On vous a bien expliqué ce qu'il fallait faire? Oui. T'es bien couvert? Oui. Ok, parfait. Alors, on va passer aux mecs qui sont un peu plus grands. Alors, c'est bientôt la fin du championnat? Oui. Alors, le classement, c'est quoi? Podium. Waouh! Sur le podium, combien de matchs il reste? Ouais, il faut rester dans les trois premiers. Ah, on va essayer. Alors, en tous les cas, merci d'applaudir les ramasseurs de balles avec les ramasseuses. Il s'agit des U15 de Vaudricourt. Allez-y, on se met en place. Et tout de suite, on passe au chat d'ange supporter émotion foot. C'est le dernier challenge supporter émotion foot de la saison. Je rappelle le règlement, le ballon est passé sur le demi-cercle des 18 mètres. Et puis, il faut mettre le ballon dans le but, vide, sans que le ballon touche le sol avant d'aller dans le but. Alors attention, le premier, il s'agit de Antoine. Antoine, bonjour Antoine, comment ça va? Vas-y, place le ballon là. Le règlement. Le règlement, tu le connais? Ok, donc avec quel pied tu commences? C'est le bon pied? Allez, ouais, on commence avec le mauvais. Attention. Allez, vas-y. Non, ça marche pas. Le second, il s'agit de Romain. Bien Romain, ça va. Allez, on met place. Toi, tu commences avec quel pied? Pied droit. C'est le bon? Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, Romain, là. Non, Romain, le tout c'est dans le but quoi. Alors on y va avec le troisième, c'est Loïc. Loïc, ça va? T'as pas trop froid comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de temps, hein. T'es de porno toi? Mais t'es super bien en soi quand même. Ah ok. Quel pied? Droit? C'est le bon? Ok, allez, il va sur tout de suite. Alors attention, vas-y. Ouais, bravo. Le dernier tireur. Il s'agit donc de Théo. Théo, moitié, gaucher, tu vas sur tout de suite. C'est le mauvais pied. Allez, vas-y. C'est le mauvais pied ça. Hey. Oh, Loïc. Oh, je m'écoute plus. Loïc, viens vers moi. Loïc. Allô, viens vers moi. Tu te moques de moi, c'est le mauvais pied ça. Allô. J'aimerais bien avoir un mauvais pied comme ça. Deuxième et dernier tir. Allez, on y va tout de suite. On recommence avec Antoine qui n'avait pas marqué. On peut voir le score pour l'instant, s'il vous plaît. Antoine 0, Romain 0, Loïc 1, Théo 1. Allez, on y va, Antoine. Allez. Non, Antoine, c'est un peu trop fort. Allez, tout de suite, on enchaîne avec Romain. Romain, t'avais fait quoi? T'avais marqué ou pas, non? La barre, ben oui. La barre. Allez, Romain, A, le pied gauche. Vas-y, c'est bon. Oh là là, c'est magnifique ça. Il se balade le mec. Il se balade, je vite là et puis après il y a du cas. Après Romain, c'est Loïc. Loïc, allez. T'as changé de pied? Pied gauche. Ah ouais, d'accord. Vas-y. C'est pas bon maintenant. C'est pas bon. Et enfin le dernier, c'est pas lui, c'est Loïc. Loïc qui a marqué. Alors c'est le pompier. Qu'est-ce qu'il fait? Il marque avec le mauvais, il rate avec le bon. Allez, on va tout de suite
va aller du côté de CC pour faire une belle photo. Et en même temps, supporters, merci d'accueillir à l'échauffement nos gardiens de but. Alphonse Areola, Rudy Rioux et leur coach, Jean-Claude Nadon. Merci d'applaudir les Pom Pom Girls officiels du RC Lens.
Bravo demoiselle. Et pendant qu'elles vont faire un petit tour de terrain, on va accueillir les mini Pampers Girls. Allez mademoiselle, les petits bouchous. Elles seront peut-être dans quelques années à la place avec les grandes. On a déjà eu ce cas de figure. Voilà, elles se préparent. Dès qu'elles sont prêtes, on va envoyer la musique dans quelques instants. Voilà, elles sont prêtes. Attention. Il nous faut un petit signe supporter, vous pouvez les applaudir. Voilà. En musique!
le café Grandière dans la machine à deuxième multi-boissons Tassino. Plus de 40 boissons chaudes à déguster. Café, boissons gourmandes ou thé. Toutes vos envies seront satisfaites. N'attendez plus pour découvrir Tassino dans le gros magasin de plus proche. Top 62. Retrouvez tous les 4 jours les bons plans sortis près de chez vous. Les dernières actus sur vos centres d'intérêt. Décoration, boire, bien-être, tendance, cuisine, ciné, programme télé et bien entendu toutes les meilleures offres commerciales de votre ville. Top 62, votre magasin gratuit, partout près de chez vous. Supercar, vous n'aurez pas qu'à découvrir votre carte à bonheur, votre biomètre, vous bénéficiez de votre promotionnel dans tous les restaurants de votre boutique libre et inabondable. Pour tout achat d'un XL, bénéficiez d'un abondant en force sur la présentation de votre titre d'accès au stade. Rendez-vous chez Quick après le match, Quick, restaurant préféré de Saint-Laurent. RMC, diffuseur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Tous les jours, de 16h à 2h du matin, ne ratez aucun match sur RMC avec Jean-Michel Larquet, Patrick Amboma, Ali Benarbia, Roland Courbis, Grégory Coupé, Luis Fernandez, Eric Dimeco, Juninho et Franck Leboeuf. Écoutez RMC sur votre smartphone avec l'appli RMC. RMC, la Coupe du Monde de football de la FIFA 2014, c'est là que ça se passe. Est-ce que vous savez qui c'est ? L'échauffement, le corps arbitral. Ce stade se remplit beaucoup plus vite que d'habitude et tous les fans sont là. D'ailleurs, les fans de Facebook, et vous êtes de plus en plus nombreux, alors vous avez votre page dédiée puisque Facebook, donc sur rclance.fr, facebook.com/équipe de Lens, la page officielle, mais il y a aussi les tweetos, ça vous est dédié, twitter.rclance.fr. Évidemment, vous avez le site officiel pour toutes les informations officielles, c'est le rclance.fr. Et puis également la chaîne YouTube officielle pour tous les directs. Et je vais demander à Eric de zoomer tout là-haut. Regardez bien, c'est notre JRI qui est tout là-haut. Est-ce qu'on peut le zoomer, s'il vous plaît? Fabien, un petit signe, s'il te plaît. Voilà, un petit signe. Fabien Simon qui aura comme consultant ce soir. Un garçon qui nous a donné, il y a quelques années, à 9 mai également, le but à Auxerre, donc le titre de champion de France, c'est Johan Lachor. Voilà, donc à retrouver sur la chaîne officielle YouTube pour ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. En tous les cas, donc, on continue et on regarde un petit.
petit clip sur la chaîne officielle. Voilà, pour le club junior senior, le plus grand club de jeunes supporters en France, bien évidemment, vous avez votre site dédié et c'est pas parce qu'on arrive en fin de saison que vous ne devez pas vous inscrire. Mais allez tout de suite sur clubgsu.com avec tous les avantages, vous pouvez être escort fit, vous pouvez également être mini pourcongueur et découvrir plein de bonnes choses qui vous est dessiné et tout ça, c'est gratuit.
électricité, chauffage et toutes les meilleures garanties possibles. Bernard Lanois de Sourcil, Grand National, tout est complet à Lignobac. Contact www.maisonlanois.com. Paris sportif en ligne soutient les 100 meilleurs. Unibet vous propose de parier avec les meilleurs codes sur le Racing Club de Lens. Inscrivez-vous vite sur unibet.fr et profitez de 100 euros de paris gratuits. Bénéficiez en plus de 15 euros supplémentaires en vous inscrivant avec le code RC Lens. Saluons également ce soir la présence de toute l'équipe Unibet au stade de la Delis pour ce dernier match. Et puis
également les couleurs qui font entrer leur vie de jeunes filles et de garçons. Mélissa Robert et Sophie Lucet, les félicitations en président de la Fédération de Marie, le 14 juin. Voilà, je vais savoir maintenant Didier le match de ce soir, à des supporters disparus, Bernard Bourda, Michel Ligier à 76 ans, Victor Barret et Daniel Toul. Voilà, merci.
côte sur le site de l'Orsa, ce qui est une sur le top de la FFR, et profiter des 100 euros par votre patron. Alors, si vous posez 15 euros sur le compte, vous êtes en train de vous faire un peu plus de temps. N'oubliez pas de retrouver toutes les semaines, le mardi soir à 20h40, sans rien le mag. Et avec chaque été, évidemment, dans la semaine prochaine, nous aurons mardi à partir de 10h30 pour toutes les personnes qui veulent assister. Donc, en partenariat avec l'excellence sur la zone mag à 20h40, avec toujours le choix de l'équipe, assistant justement par la prochaine. Voilà donc le grand change numérique avec Louise dans le but. Et nous avons trois candidats. Vous étiez donc à participer. Les trois élus sont là avec Valérie, Camille et Thomas. C'est bien ça, Valérie, allez, on y va. Vous êtes dans le but. Ah, bah non, vite, on y va. Alors, on y va. Allez, il faut marquer un peu de temps. Louise, vas-y, vas-y. Alors maintenant, c'est Camille à toi. Vas-y, allez, deuxième chacun. Camille, passe pour toi. Thomas, allez, Thomas, on va. Eh, Louise, il me laisse quand même. Allez. Eh, voilà. Alors, deuxième tour. Allez, attention. Vas-y, Valérie, concentre-toi bien. Regarde bien, choisis. Alors, la clave, oui.
à côté, la sélection est là, et puis voilà, la place est là. En tous les cas, bravo à toi, et puis bravo pour tout ce que tu as gagné, et c'est bien pour le point de venir, rien que là. Et à tous, c'est un Bollaert plein à craquer qui est prêt à célébrer le retour du Racing en Ligue 1, 3 saisons après l'avoir quitté. Pour cela, il reste un petit effort à fournir à l'occasion de cette 37e journée et la réception du stade brestois. Les données sont claires, si les hommes d'Antoine Comboiré s'imposent ce soir, eh bien ils retrouveront l'élite quoi qu'il arrive. S'ils font match nul, eh bien ils y seront, hein, mais officiellement pas encore. Il faudrait une catastrophe pour rater l'accession. S'ils s'inclinent par contre, eh bien on ira voir les résultats du côté de Nancy et de Niort, nos adversaires directs dans la course à la montée. Eux sont bien sûr dans l'obligation de s'imploser ce soir, mais bon, gagnons ce soir et la fête sera totale. La retransmission est assurée par notre fidèle réalisateur, il est là juste en côté de moi, il lève les bras, il est prêt lui aussi à célébrer la victoire ce soir, c'est Cédric Barré. Quant à notre consultant, eh bien c'était difficile de choisir quelqu'un d'autre aujourd'hui. 16 ans jour pour jour après le titre de champion de France, c'est lui qui avait marqué le but égalisateur à la Baie des Champs. C'est bien sûr Johan Lachor que j'ai le plaisir d'accueillir. Pas tout à fait, parce que vous le savez, il y a beaucoup de monde ici au stade Bollaert et bien Johan a quelques difficultés à accéder à la tribune. On va bien sûr, on l'espère, le retrouver très rapidement. Voilà, les conditions de jeu sont optimales, un ciel bleu, il y a du vent quand même à Bollaert, mais voilà, rien qu'à voir les couleurs de ce stade, eh bien on a envie de vibrer. Je peux vous assurer qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Alors bien sûr, il va falloir que les joueurs emmènent tout ce petit monde pour véritablement fêter cette accession en Ligue 1. Et voilà, c'était le mot d'ordre en tous les cas lors de la conférence de presse.
que va nous lancer dans quelques instants Cédric Barré. Les invités, eh bien, comme d'habitude, il y avait le coach Antoine Comboiré, mais également le double buteur, celui qui a marqué 2 des 6 buts face à Istres, Edgar Sali. On les écoute tout de suite. C'est le type de match très compliqué parce que nous, on a un objectif qui est celui de gagner. On est toujours à la recherche justement de notre montée, un autre ticket pour monter en Ligue 1. Et puis là, vous avez une équipe de Brest qui survole cette deuxième partie de saison. Je crois qu'ils sont quatrième sur les phases retour. J'ai vu leur match contre Caen. Je me demande encore comment ils font pour le perdre, quoi. Ils ont fait un énorme match. Caen est sur une période où tout leur réussit. Ils jouent bien, mais en plus, même quand ils jouent pas bien, ils ont la réussite avec eux. Parce que Brest a fait un énorme match. Donc une équipe libérée qui va venir ici, jouer un match de foot et puis qui n'aura pas l'habitude de jouer devant 40 000. Et là, je l'ai vu dans un passé récent qu'à chaque fois que les adversaires venaient chez nous, ça allait envoyer une équipe surpassée, galvanisée. Et souvent, on a eu des matchs compliqués. On l'a vu contre Nancy, contre Angers, quoi. Même avant le match d'hier, on était confiants, on savait de quoi on était capable. Donc là, on sait ce qu'on a à faire et on va essayer de monter le plus vite, c'est-à-dire à domicile. Ça va être un bon moment et nous allons tout faire pour essayer de gagner le match et d'accéder en Ligue 1 pour pouvoir faire une belle fête avec le public et tout. Maintenant, il faut travailler fort pour la récupération, les soins et puis vite se projeter. On n'a pas le choix sur le match donc, qui arrive avec la réception de Brest vendredi. Et là, de toute façon, vous allez voir les joueurs, il n'y a pas d'euphorie. Il y a forcément de la joie par rapport à ce qu'on a vécu hier. Mais là, tout de suite, on sait qu'on a un match très important qui arrive. Il faut vite se remobiliser, quoi. Voilà, vous l'aurez compris dans les mots d'Antoine Comboiré, il faut encore fournir un effort, rester concentré et mobilisé pour prendre encore cette petite chose, ce petit point qui manque au Racing. Alors bien sûr, on espère gagner ce soir. J'imagine que vous êtes là, environ 700 pour le moment, mais ce chiffre, il va encore grossir pour assister à cette retransmission. Merci, en tous les cas, voilà, Cédric Barré me dit qu'on est 1000 désormais. Merci d'avoir été fidèle depuis... le début de ces retransmissions depuis le mois de janvier et cette première c'était face à Dijon. Alors je vous le cache pas, on va un petit peu broder tout simplement parce qu'on attend encore Johan Lachor. Il y a beaucoup d'ambiance ici au stade Bollaert. Alors je vais vous donner rapidement le classement, mais je suis sûr que vous le connaissez, vous qui êtes chez vous derrière votre ordinateur, sur votre tablette, peu importe. Metz est champion de France de Ligue 2. Lens est à égalité de points avec le stade Malherbe de Caen avec 62 points. Et les concurrents derrière, il s'agit de l'AS Nancy-Lorraine et les Chamois Niortais qui ont 5 points de retard. La victoire, c'est 3 points. Le match nul, 1 point. Si vous faites rapidement vos calculs, 1 point suffira. D'autant plus que le goal average est largement en faveur du Racing. Alors, on va faire une courte pause, Cédric, si tu m'entends. Et puis, on va accueillir tout simplement. Les téléspectateurs qui nous suivent sur Weo, Ma Télé et Opal TV. À tout de suite. Ah, bonsoir à toutes et à tous, 37e journée de championnat, le Racing 3e accueille le stade brestois, 8e de Ligue 2, match au bout duquel les Sang et Or peuvent valider définitivement leur montée en Ligue 1. Le rendez-vous avait été donné en août lorsqu'Antoine Comboiré avait annoncé son objectif. Eh bien, son équipe l'a entendu et est prête à le remplir. Pour cela, il faudra encore faire un petit effort, s'imposer pour en être sûr. Il faudra faire au moins un match nul pour en être quasiment certain. Et en cas de défaite, il faudra aller jeter un coup d'œil aux résultats de nos adversaires directs que sont Nancy et Niort. Le stade Bollaert de l'Hélice est plein à craquer et ce n'est pas une surprise. Ça, c'était le cas lors des quasi toute la saison, mais lors des 3 derniers matchs face à Nancy, face à Angers et face à ce soir, face à cette équipe brestoise. Je peux vous assurer que l'on va vivre une soirée de dingue. Alors ce soir, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui avait égalisé, celui qui avait donné le titre au Racing Club de Lens, c'est Johan Lachor. Alors on va rien vous cacher, Johan Lachor, il est là, il est en train de courir pour accéder au poste commentateur. Et
Voilà, il y a beaucoup de monde pour accéder à cette tribune. Il s'installe au moment même. Alors je vais donner rapidement la composition des équipes en commençant par l'équipe brestoise avec Alexis Thébault dans les buts, Simon Fallette, Ismaël Traoré dans l'axe, Wilfried Mouimbé et Koulibaly sur les côtés, Guidelay en sentinelle, il y aura Bruno Grougy, l'organisateur véritablement du jeu, Benoît Lossamier excentré sur le côté comme Johan Ramaret en pointe il y aura Nicolas Verdier et Alexandre Alphonse, côté Lensois, Antoine Comboiré a quasiment reconduit l'équipe qui s'est imposée à Istres cette semaine. Alphonse Ayrola, Ahmed Kantari, Alassane Touré, Loïc Land, Ludovic Ball, Marcel Tisserand, Jérôme Lemoigne, Nomen Janari, Lalaina, Johan Tousgar qui fait son retour et Adamo Koulibaly, assisté d'Edgar Sali. Johan, est-ce que tout est en ordre, tu m'entends, t'as dû courir pour venir. Ouais, c'était un peu la course, il y avait un peu de monde partout sur le parking, au guichet, donc c'était un peu compliqué, mais bon. Ouais. Voilà, le match est parti depuis quelques secondes, alors c'est une présentation de match un petit peu tronquée, mais voilà, on est parti, prêt à vivre une superbe rencontre, une superbe fête, Johan, avec un premier pressing de Johan Tousgar. Johan, quand on voit ce stade-là, on peut pas se cacher, on a envie de faire les efforts. Hein. Ah ouais, non, tout à fait, ouais. Mais surtout que l'enjeu est assez important, donc ça peut être très intéressant pour Lens de bien partir. Et je veux dire, en tout cas, le public a répondu présent en nombre et au niveau de l'ambiance, donc ça va porter les joueurs sur ce début de match. On l'a dit, on le répète, une ambiance de dingue ici à Bollard, ça rappelle les belles années lensoises, ça rappelle les matchs de Coupe d'Europe. Voilà, vous l'entendez certainement à travers nos micros, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de chants et bien sûr beaucoup, beaucoup d'ambiance. Les Lensois qui démarrent bien cette rencontre, on a vu une première agression tout à l'heure d'Edgar Sali qui s'est effondré dans la surface, il n'y avait pas pénalty, l'arbitre de la rencontre ne l'a bien sûr pas accordé. Mais en tous les cas, les Lensois qui montrent de la détermination en ce début de partie à l'image de Nomen John Edgar Sali qui va gagner un corner et non finalement c'est un centre quand même et l'intervention de d'Alexis Thébault. Johan, grosse entame de match du Racing, même si bien sûr ça fait 1 minute 30 qu'on joue à peine, mais voilà, il y a des intentions. Ouais, mais on sent une équipe de Lens déterminée, offensive, qui va vers l'avant, qui joue sans trop d'appréhension, parce que c'est vrai que malgré les 5 points d'avance, on peut toujours débuter le match un peu tendu, mais là on sent une équipe dynamique qui va vers l'avant et notamment Sali là qui fait un début de match tout en percussion qui est assez intéressant. Alors ces matchs arrangés comme ça, tu en as connu beaucoup dans ta carrière. On va dire que c'est inutile de se mettre de la pression, il faut au contraire jouer libéré pour mieux s'exprimer. Hein, la pression est là, donc elle peut même un peu tétaniser selon l'enjeu. Et comme l'équipe est assez jeune, effectivement ça peut être dangereux ce début de match. Mais là ils sont bien, je pense que Antoine, pour l'avoir vu hier, on a discuté avec les joueurs pour les mettre en confiance et leur parler du début de match qui allait être très très important pour que le public suive et se mette aussi dans le rythme du match. Allez, les Brestois en possession du ballon avec Ramaret qui va changer complètement de côté pour Koulibaly, le centre, attention à la tête et heureusement elle passe à côté cette tête au second poteau. C'était Alphonse, l'attaquant brestois. On a eu chaud, Johan. Il faut chaud. Toujours être vigilant, de toute façon. On a eu très très chaud. Et après, Brest est quand même une très bonne équipe avec des joueurs comme Ramaret et Grougy au milieu de terrain qui sont très performants et très très bons techniquement. Donc il va falloir se méfier quand même. Maintenant, il ne faut pas non plus se jeter et ne pas être concentré sur les tâches défensives. Mais bon, je pense que ça va se régler avec le match qui va passer. Allez, la bonne récupération de Ludovic Ball dans son nouveau rôle de milieu récupérateur. On l'avait vu évoluer sous les ordres d'Eric Sikora à ce poste la saison passée. Il a montré à Antoine Comboiré qu'il en était capable face à Istres. Et c'est lui qui a récupéré le ballon. Jérôme Lemoigne pour Loïc Landre. Tranquillement prendre son temps et trouver le bon intervalle. C'est bien fait avec Edgar Sali qui écarte pour l'Alana Nomen Janari qui va les provoquer. Peut-être le centre du pied droit, c'est pas son meilleur pied. Peut-être pour la reprise d'Adamo Koulibaly, dégagé par la défense brestoise. Une équipe brestoise qui n'a pas vraiment d'espace pour s'exprimer. Tout cela, bien sûr, à cause du pressing mis en place par les hommes d'Antoine Comboiré. Edgar Sali, la faute, la charge pas derrière là pour de Mouimbé sur Nomen Janari, l'un des buteurs face à Istres. Lui qui effectue une grosse fin de saison
Cantari pour Tisserand. Tisserand, on va faire tourner tranquillement jusqu'à mettre Cantari. Et désormais le capitaine lensois, Jérôme Lemoigne. Menjanari, c'est bien joué. On fait tourner, on essaie de trouver la solution. Le ballon par-dessus pour Ludovic Ball. C'est précis et efficace pour Marcel Tisserand. Marcel Tisserand et le bon tacle d'un Brestois. Le bon tacle un peu trop rugueux, au dire de M. Miguel Gori, l'arbitre de cette rencontre. Ça va donner un bon coup franc, Johan. Oui, il me semble qu'il y avait bien faute et effectivement un coup franc très intéressant. On sait que c'est une phase de jeu aussi importante dans le début de match qui peut décanter la situation et libérer complètement les joueurs de Lens. Donc l'importance de bien le frapper et d'être précis sur ce type de coup de pied arrêté. Allez, ce coup de pied arrêté justement qui va être frappé par la Lena Nomenjonari, le malgache de cette équipe lensoise, avec son pied gauche complètement excentré. Il y a du monde dans la surface, c'est bien frappé malheureusement. En premier rideau défensif, il me semble que c'est Ismaël Traoré qui a pu dégager ce ballon. La récupération haute des Lensois avec Nomenjonari à nouveau qui va les provoquer, qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Il y a du monde, un peu trop profond malheureusement pour Yann Tousgar qui ne va rien lâcher et qui va empêcher ce ballon de sortir. Tousgar qui a trouvé l'appel d'Edgar Sali. On a vu Edgar Sali, le jeune Camerounais, très mobile, hein, Johan, en ce début de partie. Oui, il est très bon, il est présent, il se donne beaucoup. Il serait très important aussi pour Lens de marquer dans ces temps forts, là, parce qu'après, si Brest maintient le score au bout de 15-20 minutes, je pense que la situation va un peu se... Enfin, Lens va presser peut-être un petit peu moins et le match va se stabiliser, mais voilà, ce sera important et très bien pour Lens de marquer dans cette phase où ils sont vraiment dominateurs dans tous les compartiments du jeu. À l'image de c'est Koulibaly, voilà, qui est coupable d'avoir fait une faute selon l'arbitre. Et c'est Alexis Thébault qui tranquillement va aller donner de l'air à ses coéquipiers. Alors on a dit un ancien dominateur, mais voilà, après 6 minutes de jeu, la plus grosse occasion est quand même à mettre au crédit des Brestois sur la tête d'Alphonse là-bas tout à l'heure au second poteau. Le dégagement d'Alexis Thébault, elle a retombé à la Sainte-Touré. Allez, le ballon, c'est le bon pressing là de Lensois avec Yann Tousgar qui va aller mettre en difficulté le gardien breton. Voilà, il y a du monde, on voit Yann, il y a ton fils qui est à côté, qui tape des mains aussi, c'est la fête. Ah, il est dans l'ambiance, ouais. Clairement, il avait hâte de venir déjà et donc voilà, là il est à fond dedans comme tout le COP et comme toute la région lensoise. Voilà, on parle du COP, et bien justement dans ce COP, il y a une particularité aujourd'hui puisqu'il y a la présence d'anciens joueurs du Racing. On pense au Sico, Didier Sénac, à Jocelyn Blanchard, notre directeur sportif, il y a Cyril Magnier, Jimmy Adjovi-Boko, je ne vais pas les citer parce que je sens que je vais en oublier, mais voilà, ils ont mis les maillots et écharpes et ils sont partis là-bas au milieu de la Marèque pour eh bien, soutenir les hommes d'Antoine Comboiré. Ça aussi, ça montre eh bien, que les anciens aiment leur club. Et c'est une très belle image en tous les cas, avec attention Koulibaly là-bas sur le côté droit, c'est de là qu'est venu tout à l'heure le danger. Il est bien pris, bien défendu par Marcel Tisserand. Mais voilà, il s'est bien battu, il parvient tout de même à centrer. Oh, attention, il s'en est fallu de peu et les Lensois qui vont concéder un corner. Non, il y avait le ballon était sorti au préalable. Tant mieux, mais on a vu que le danger peut venir du côté droit. Là. Deux sorties, je dirais, de la part de Brest simplement et deux occasions, donc va falloir se méfier. C'est un peu le danger quand on est attiré un peu par le pressing. Je veux dire, les deux latéraux sortent en même temps aussi et Jérôme Lemoigne a tendance aussi à porter un peu sur le pressing et il se retrouve à 2-2 derrière. Donc si Brest arrive à sortir de bons ballons, on peut très vite se retrouver en danger derrière. Donc faire attention à l'équilibre défensif quand même, notamment avec Jérôme et un des latéraux qui doit rester si l'autre est parti. Voilà, vous connaissez l'expérience de Yohann Lachor, il connaît le poste de latéral. Et lui qui a porté souvent son soutien offensif lorsqu'il avait les couleurs sans sur le dos, les couleurs aussi boulonnaises, même si tu jouais plus dans l'axe, hein, à Boulogne, si je ne me trompe pas. À Boulogne, j'étais défenseur central. Voilà. Trop âgé après. Allez, la touche pour les Lensois à hauteur de la ligne médiane. Alors un petit temps mort hein, pour vous remercier de nous avoir suivis depuis le mois de janvier sur WEO, Opal TV et Matélé. On a fait de bonnes audiences. Et, j'espère que le produit qu'on vous a fourni eh bien, vous a contenté, vous a satisfait. N'hésitez pas à le faire savoir, ça nous fait toujours plaisir. En espérant qu'il y en aura d'autres pour les mois à venir. Nomenjonari
On va revenir au jeu. Ahmed Kantari. Par-dessus la défense. Faut aller au duel. Adamou Koulibaly. Mais c'était bien pris par Simon Fallette. Et les Bretons, entraînés par Alex Dupont, qui peuvent repartir de l'avant. Alassane Touré, le pivot, il trouve Nomen Djanari. Nomen Djanari qui essaie de trouver Tousgar qui avait décroché. La récupération intéressante, une nouvelle fois des Lensois. Et Touré qui va pouvoir trouver dans la profondeur Adamo Koulibaly. Signalé hors jeu, on voit Adamo Koulibaly qui avait beaucoup pesé sur la défense istrienne lors du dernier match, qui avait été récompensé par un but. Alors qu'on voit Johan sur notre ralenti, tout à l'heure la tête d'Alphonse. Ouais, on a même de la chance qu'il la met juste à côté parce que c'est une tête relativement facile quand même. Donc très très bon centre. On a la chance que le ballon passe juste à côté du but. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, dans ces cas-là on dit souvent vaut mieux croiser, mettre la tête de là où elle vient, c'est plus facile. Normalement on joue toujours du côté d'où le ballon vient effectivement, ouais, mais là ça devait être en difficulté peut-être pour le faire, ou peut-être un peu trop en avance sur le ballon. Monsieur Miguel Goury qui va rappeler à l'ordre Ahmed Kantari sur cette faute sur Nicolas Verdier. Il a la biscotte, le petit carton jaune en main. On imagine que l'international marocain va recevoir son avertissement. Alors l'a-t-il reçu? Le carton est toujours en main. Ahmed Kantari, avec toute son expérience, va essayer de se faire oublier là dans la masse. Ouais, mais je pense que l'arbitre a préparé le carton, ça va être difficile d'y échapper. Voilà, il le rappelle. Alors attention, parce qu'on sait, hein, quand un défenseur central ou quel que soit le défenseur, quand on est averti, c'est toujours plus difficile de défendre correctement. Et voilà, le carton pour Ahmed. Allez, on parlait de cette belle équipe de Brest, hein, qui avait connu beaucoup de difficultés, alors qu'on voit la faute. Ouais. Effectivement, ça méritait. Voilà. C'est dommage de faire une faute à cette distance-là. Il n'y avait pas vraiment d'obligation à prendre, notamment un jeune en plus. Donc, comme vous le disiez, les interventions sont plus difficiles après. Donc voilà, dommage. Allez, d'autant plus que voilà, l'homme aux cheveux longs, là, côté Brestois, le numéro 18, Bruno Grugy, était un très bon frappeur de coup franc. Alors là, bien sûr, il est un petit peu loin. Il va devoir trouver un coéquipier. Mais on sait qu'il a souvent des frappes vicieuses avec des trajectoires un peu bizarroïdes. Allez, Bruno Grugy qui va tenter la frappe de loin. Et en premier rideau, Nomen Djanari qui peut repousser ce ballon. Ça vient jusque dans les pieds de Marcel Tisserand qui relance proprement jusqu'à Ludovic Ball. Ludovic Ball sur le côté pour Johan Tousgar. C'est bien joué. Les Lensois, Nomen Djanari à nouveau. Allez, il y a... Il y avait du monde à droite, on a préféré revenir à gauche avec Marcel Tisserand. Marcel Tisserand, le crochet. Il préfère jouer derrière lui jusqu'à Ludovic Ball. Le centre pour Johan Tousgar. Allez, Johan Tousgar qui va faire l'effort là-bas. Aux prises avec Wilfried Mouimbé. Non, il préfère laisser filer cette touche et la jouer rapidement. Alassane Touré qui essaie d'emmener son ballon. Voilà, le public râle un petit peu, mais bon, on ne pouvait pas signaler pénalty là-dessus. Alors que l'on m'annonce que Tours vient d'ouvrir le score à Caen. Alors bien sûr, Caen, ce n'est pas notre adversaire direct, même si les Canets, les hommes de Franck Dumas occupent la seconde place au classement. Le plus important, c'est bien sûr les scores de Nancy et de Niort. Mais bon, encore que, il y a plus important, c'est le score du Racing ce soir. On l'a dit, si les hommes d'Antoine Camboré s'imposent, il n'y aura pas de souci pour l'accession en Ligue 1. Ouais, Marcel Tisserand, la touche pour la tête de Gudilay, pardon. Allez, faut se parler là côté Lensois. On va revenir à la faute de Nomen Djanari. Allez, Gudilay et Grugy autour du ballon. Avec un match qui s'équilibre un peu, hein, les Lensois, le pressing est moins performant et ça permet aux hommes de Brest de sortir plus facilement le ballon, et on se retrouve maintenant en situation avec des coups francs.
toujours difficile à gérer pour les défenseurs. Voilà, une difficulté d'Alassane Touré qui a bien défendu, hein, parce que c'est difficile, on ne sait pas difficile, vraiment... on court vers son but et voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le dos non plus, donc il faut prendre une décision assez rapide. Et la solution de facilité, entre guillemets, c'est de la mettre en corner. Voilà, il a prolongé la trajectoire du ballon. Et vous l'avez vu à l'image, l'homme des coups de pied arrêté côté brestois, c'est Bruno Brugy. Trajectoire rentrante pour le corner à venir. C'est frappé. Et Alphonse Arola tranquillement, qui touche eh bien, à près d'un quart d'heure de jeu, l'un de ses premiers ballons. La prise de balle impeccable. Et la relance vers Marcel Tisserand, qui a un peu de réussite là. Il va pouvoir conserver ce ballon. Alphonse Arola qui s'excuse auprès de son latéral gauche. C'est vrai que la relance était un petit peu. Elle était bonne, mais elle était un petit peu compliquée à gérer. Ouais. Il l'a pas mis en situation, en très bonne situation. Il y avait déjà un pressing qui était effectué sur lui et le ballon n'était pas assez fort pour qu'il puisse avoir du temps pour s'organiser. Effectivement, il était en situation compliquée. Attention à ce centre d'Alphonse pour Nicolas Verdier qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Heureusement, il s'en veut. Bon, lui, on lui en veut pas trop d'avoir raté sa reprise. On va revoir ça, Johan. L'appel de l'attaquant qui va couper la trajectoire de ce ballon. Ouais, très 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 bel appel. Alphonse qui met le ballon juste dans la zone en fait et l'attaquant qui vient couper au premier poteau. C'est vraiment un geste d'attaquant ça et il l'a très très bien fait en devançant le défenseur et encore une fois on a la chance que le ballon passe juste à côté des buts. Deuxième avertissement, pour l'instant sans frais pour le Racing. Tu l'as dit Yohann tout à l'heure, le match qui s'équilibre après un gros pressing. Mais bon c'est un peu normal, hein, on ne pouvait pas maintenir ce rythme. On va dire que pour l'instant, la réussite est lensoise, notamment au niveau défensif. La faute sur Alassane Touré. Ça va donner à l'occasion au Lensois de jouer un bon coup franc. C'est Edgar Sali qui va aller le frapper là-bas. Il y a beaucoup de frappeurs côté Lensois. On pense à Benjamin Brugeot qui est aujourd'hui 18e homme. On pense à Pierre Valdivia qui est sur le banc. Et voilà, on peut faire confiance également à Edgar Sali. Le coup franc excentré côté droit. Il y a du monde, notamment les défenseurs centraux. Ahmed Kantari, Loïc Lang, lui, est resté derrière en couverture. C'est frappé, c'est bien frappé d'ailleurs. Deuxième poteau. Oh, ça passe juste à côté. Et ça sera un corner puisque ce ballon était touché. Marcel Tisserand qui était prêt de reprendre ce ballon. Lui qui avait déjà marqué sur un corner. C'était face à Metz lors du sommet de ce championnat. Au stade Saint-Symphorien, le but victorieux des Lensois. Et ça en est fallu peu pour qu'il marque le deuxième but de sa saison. Le corner à venir, c'est Nomad Gianari, frappé au premier poteau. Le ballon difficilement dégagé par les Brestois, la frappe lointaine. C'est difficile de la part de Loïc Land. Un ballon qui arrive comme ça, c'est difficile hein, de contrôler. Il vaut mieux frapper au but, même si la chance de marquer est relativement réduite. Mais ça permet de ne pas prendre de risques et de ne pas se faire contrer. Donc, parce que c'est difficile à gérer quand on est tout seul derrière avec de trouver une solution efficace. Donc voilà, il vaut mieux des fois frapper, mais quitte à aller dehors que de prendre un gros risque. Alors on a revu entre temps la défense bretonne qui avait concédé le corner. Et ce ballon qui est passé à côté des buts d'Alexis Thébault. Et Tisserand pour Ludovic Bell. Yann Tousgar qui décroche beaucoup, qui a envie de toucher les ballons. Le fait de décrocher, eh bien, ça perturbe aussi l'arrière-garde brestoise. Loïc Land à droite à la salle de tour. Et attention, c'est un petit peu imprécis. Et Verdier qui peut récupérer ce ballon. Verdier qui a éliminé Jérôme Lemoigne, mais qui n'éliminera pas Loïc Land. C'est l'un de ses points forts, hein, les duels face à son adversaire. Très très bon défenseur dans ce type d'intervention. Allez, Marcel Tisserand, passement de jambes, il faut trouver une solution, il la trouve avec Nomad Gianari. La petite poussette, l'avantage est laissé, Jérôme Lemoigne, Ludovic Bell. Ça va sortir, c'est trop imprécis. À l'inverse du début de match, on sent une équipe lensoise coupée en deux avec trois attaquants qui jouent pratiquement sur la même ligne, même si Tousgar décroche de temps en temps, mais ils se retrouvent très vite alignés avec Koulibaly et Sali. Et il est le milieu de terrain qui reste relativement bas et donc ça ne permet pas de développer un jeu cohérent. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de pertes de balles en ce moment. Allez, on imagine bien Antoine Camboiré bien remettre tout ça en place. Le bel effort de Koulibaly qui ne permet pas à Tousgar de récupérer le dégagement.
et à la retombée du ballon, on gagne le duel et donc c'est un ballon récupéré facilement par Jérôme Lemoigne qui a trouvé à la Sainte Touré. Touré à nouveau avec son capitaine. Allez, faut attaquer ce ballon là, l'Alena, c'était un peu compliqué, ce ballon un peu imprécis. La bonne récupération de Sally, allez. La bonne combinaison entre les deux, une nouvelle fois Nomad Jonari, le tacle pas derrière, Nomad Jonari qui s'effondre. On était à quelques pas de la surface de réparation. On va dire que c'est Moimbé là-bas qui est allé tacler. On va voir ça à l'image. On s'écroule. On le prend quand même ce coup franc. Très mal défendu de la part du Boissois sur le coup parce qu'il n'y avait aucun danger. On ne sait pas pourquoi il a voulu tacler. Mais ça fait nos affaires, donc pas de problème pour ça. Allez, on est à quelques centimètres de la surface de réparation, complètement excentré côté droit. Nomad Jonari ou Sally, un droitier ou un gaucher. Trajectoire rentrante ou sortante, on va le savoir dans quelques instants. Allez, il y a beaucoup de ballons là, parce qu'il y a eu beaucoup de festivités avant la rencontre dans la surface de réparation. C'est Nomad Jonari qui va le frapper, Nomad Jonari, et c'est contré par le mur brestois. Ce sera donc un corner. On va changer de tireur et c'est Sally qui va donc le frapper. C'est frappé au premier poteau et Jérôme Lemoigne qui avait dévié dans un premier temps le ballon. C'est pas terminé. Alassane Touré qui intelligemment, il a hésité un petit peu, il a préféré revenir tranquillement derrière lui jusqu'à Loïc Land. Et on a fait tourner avec une unique balle côté gauche. Tousgar, allez, pas perdre le ballon. Tousgar, c'est bien joué. Nomad Jonari, il faut voilà, la transmettre là-bas jusqu'à droite, jusqu'à Touré. On l'a bien fait tourner côté Lensois. Edgar Sally. Sally qui va les provoquer. Sally qui va prendre de vitesse son adversaire direct. Oui, il a affaire à trois défenseurs brestois. C'est un petit peu compliqué. On connaît sa rapidité. Mais c'était un peu présomptueux. C'est vrai. Coup. Alors qu'on voit la faute là, tout à l'heure de Moimbé, c'est vrai que c'était pas vraiment intelligent de sa part. Allez, Alexis Thébault qui a joué l'intégralité des minutes de ce championnat, 36 matchs dans leur intégralité. Ils sont rares les joueurs en Ligue 2 à l'avoir fait cette saison. Côté Lensois, le joueur le plus utilisé, ben, c'est celui qui était au sol, qui vient de connaître une faute, c'est Ludovic Ball. Il a joué toutes les minutes, sauf les 90 du match face à Créteil. C'était au cœur du mois de février, avec une victoire 3-2 pour les Lensois. On va dire que c'est l'un des hommes forts du dispositif d'Antoine Comboiré. C'est vrai qu'il effectue une saison pleine, hein. Il a rarement déçu le Guyanais. Voilà, c'est important ça aussi, hein, Johan. Les attaquants qui défendent, à l'image d'Adamo Koulibaly là-bas. Oui, ça en tant que défenseur, c'est vrai que quand on voit les attaquants qui reviennent, qui font les forces, déjà ça montre leur envie et ça nous donne aussi plus de facilité pour être performant et défendre aussi plus intelligemment et leur donner de bons ballons ensuite derrière. À la Sainte-Touré, on le dit souvent, de toute façon la défense c'est le rôle des 11 joueurs sur la pelouse. Alors bien sûr, les premiers concernés, ce sont les défenseurs. Mais bon, le travail commence bien par les attaquants qui viennent les relances adverses. Allez, Edgar Sally qui va aller s'imposer. Edgar Sally, là, il a une faute, pas demandé. Il y a peut-être un carton. Logique à venir pour Wilfried Moimbé. Les Brestois qui égalisent au niveau des cartons. Ahmed Kantari côté Lensois et Wilfried Moimbé à l'instant même. Sur cette faute sur Edgar Sally qui avait fait la différence. Ouais, Sally qui est très intéressant, qui apporte beaucoup de vitesse et de percussion à chaque fois qu'il touche le ballon et ça permet de décanter un peu des situations fermées et il le fait très très bien, même si là c'était peut-être un peu loin du but mais ça provoque toujours quelque chose et pour les adversaires ça montre un signe de confiance et qu'il va pas falloir rapprocher le marquage et donc du coup être un peu plus attentif sur ce joueur. Ouais, c'est un joueur très, très talentueux, le jeune Camerounais. Il avait été élu meilleur joueur de la CAN africaine, la CAN junior, il y a de cela deux ans, avant de se blesser gravement à Monaco.
quand il est en confiance, eh bien, il tente des choses, il a réussi souvent. Et qui est auteur de 5 buts hein, cette saison. Lui qui avait ouvert la voie eh bien, au sien lors du déplacement au Stade Parsemin à Istres en début de semaine lors de la superbe victoire lensoise 6 buts à 1. Allez, Hassan Touré qui va s'imposer physiquement à Hassan Touré et qui s'impose une deuxième fois. Non, finalement ce sera repoussé en touche. On a du mal à s'entendre, Johan, dans le casque parce que ça fait beaucoup de bruit. On a l'impression que le COP est juste à côté de nous, c'est impressionnant. Ouais. Pourtant, c'est difficile d'être plus loin que le COP parce qu'on est tout en haut de la tribune qui fait face à la tribune Marek. Mais bon, j'ai envie de dire que ce soir, le bruit vient d'un peu partout. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on préfère un stade comme ça. Bien sûr. Qu'un match, par exemple, je prends l'exemple d'Istres où il y avait à peine 1000 personnes dans le stade, où ça sonnait creux. Ça faisait plus match de district que match professionnel. Allez, Koulibaly qui gagne son duel, Johan Tuzgar qui s'emmène le ballon de la tête, Johan Tuzgar pris par c'est Ismaël Traoré. Pas de faute apparemment, ce sera une touche à venir. Allez, 0 à 0 après 25 minutes et 40 secondes de jeu. Le centre à venir, la tête non de Koulibaly, c'est pas terminé. Marcel Tisserand qui remet et voilà la remise en retrait de la tête un peu compliquée à gérer pour Thébault qui s'en est bien sorti. Oh la prise de risque, non malheureusement ça ne profite pas à Edgar Sali et à Adamo Koulibaly. La faute du numéro 10 en soi. Ah, il a du peps hein, comme on dit, de l'énergie aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, on le sent en très grande forme, il défend, il prend le ballon en attaque avec, encore une fois, comme je le disais, beaucoup de percussions, il tente beaucoup de choses. J'espère qu'il pourra garder ce rythme-là tout au long du match. Allez, Thébault qui prend son temps. Le planteur, il a retombé. Supplé par Loïc Landre. Et Ludovic Ball qui permet à Edgar Sali de jouer vers l'avant. Varian Tuzgar à la poitrine. Ça a fonctionné. Un petit peu de réussite. Marcel Tisserand qui se précipite pour récupérer ce ballon. Et jouer avec Ludovic Ball. Le jeu en triangle des Lensois. Et on revient à la faute. Signé Guidelay sur Johan Tuzgar. L'arbitre de la rencontre pour le moment très proche des actions. Qui siffle à bon escient. Bon, ce match correct et assez engagé. Allez, Lemoigne, Ludovic Ball. Ouais, la petite faute, on va parvenir, non, finalement. Bruno Grugy qui peut repartir vers l'avant. Et tenter de jouer avec Nicolas Verdier. La bonne couverture d'Ahmed Kantari. Et le ballon qui reste dans les pieds lensois. À Kalassane Touré. Alphonse Areola qui aujourd'hui joue tout en bleu. Il a une panoplie d'équipements, le gardien lensois. On l'a déjà vu en blanc, on l'a déjà vu en vert, on l'a déjà vu en jaune. Et bien aujourd'hui c'est le bleu qu'il a choisi pour espérer jouer la montée. Et voilà le bon ballon qui a obligé l'arrière-garde brestoise à concéder ce corner. En l'occurrence là c'est Simon Fallette. Alors, on parlait du peps et de l'énergie d'Edgar Sali. Eh bien, on voit l'énergie également sur ces images là du COP lensois qui saute. Allez, le corner à venir, frappé une nouvelle fois par Nomé Gionari. Et Alexis Thébault qui est passé un petit peu à travers. Je ne sais pas s'il a touché le ballon. Non, il ne l'a pas touché puisque sinon ce serait une touche lensoise. Elle sera bien pour les hommes d'Alex Dupont. Un ch'ti, hein, lui qui est né à Dunkerque. Qui a joué à Dunkerque avant d'entraîner le club maritime. Il y a déjà un palmarès hein, puisqu'il a fait monter Brest il y a quelques saisons. Il avait gagné la Coupe de la Ligue avec Guignon. Bon, ça remonte à pas mal de temps, mais il avait réussi cet exploit en battant le Paris Saint-Germain. Allez, en ce qui concerne cette 37e journée et ce match entre Lens et Brest, le ballon dans les pieds lensois avec Marcel Tisserand.
Marcel Tisserand qui est allé provoquer. La touche sera bretonne. Alors Yann, quand on est latéral là comme ça, on sait Marcel Tisserand c'est un droitier. À quelle difficulté on est confronté de jouer côté gauche comme ça? La difficulté c'est déjà faut voir si on a un adversaire direct. Quand on est adversaire direct, je dirais que c'est relativement facile. Après, quand on joue comme le Brest le fait, avec un milieu qui décroche un peu et qui rentre, c'est toujours délicat de savoir quand il faut aller le chercher et quand il faut rester sur son aile, surtout si le latéral droit monte. Donc, c'est un travail plus de gestion encore que vraiment de duel comme on peut l'être dans l'axe. Et sur les phases offensives, quand on est sur son mauvais pied, même si on le sait, il est capable de beaucoup de choses avec son pied gauche, c'est peut-être pas forcément joué en première intention. Non. Bah le plus dur, c'est de trouver la passe le long de la ligne. On est quand même amené à faire cette passe-là le plus souvent. Mais bon, là, après, c'est une relation qu'il doit avoir avec ses attaquants et son attaquant qui joue plutôt sur son côté pour trouver les déplacements qui vont correspondre à le type de passe qu'il peut faire. Donc une passe réussie, c'est, si j'ai bien compris, le passeur, mais aussi le receveur qui doit faire l'effort pour bien se passer. C'est surtout le receveur, je pense. Ouais. Voilà. Là, c'est le défenseur qui parle, qui en a raté peut-être quelques-unes des relances sur son côté. Ouais, ça, c'est clair. On remet souvent ça sur le dos des attaquants. Allez, c'est de bonne guerre en tous les cas. Marcel Tisserand, justement, sur son côté gauche, préfère entrer. Marcel Tisserand qui va frapper, la frappe puissante, malheureusement pas cadrée. Mais ça, c'est un désavantage. Voilà, c'est qu'on peut rentrer et on n'est pas forcément habitué à avoir des latéraux qui montent, donc ça peut perturber aussi les défenses adverses. Allez, on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première période, toujours 0-0 entre Lensois et Brestois. Allez, Breton qui réalise une phase retour très intéressante, c'est la quatrième équipe au classement sur la phase retour. On rappelle qu'au match aller, Lensois s'était imposé 1-0 et voilà, les Bretons étaient classés 16e à l'époque. Et voilà, il y a quelques semaines de cela, on s'est dit pourquoi pas, ils vont pouvoir se mêler à la montée. Malheureusement, pour eux, ils avaient un peu trop de retard. Et limite, tant mieux pour le Racing, ça faisait un adversaire de moins. Attention, Alphonse qui remet instantanément de la tête, c'est dégagé par Ludovic Ball et Adamo Koulibaly, le bon repli qui permet de Garsali de repartir, malheureusement le contre qui ne profitera pas à Yann Tousgar. Ce qui a du mal à toucher ses attaquants dans de bonnes conditions, c'est surtout sur des actions un peu individuelles qu'on arrive à créer un petit peu de danger. Et je me répète, je pense que nos milieux, nos défenseurs sont un peu trop bas par rapport à nos attaquants, ce qui ne leur permet pas d'évoluer et d'organiser le jeu de manière plus efficace. On a vu la frappe, la tentative de frappe de Benoît Le Soignier, une des grosses frappes du championnat de Ligue 2. Koulibaly, Goudilay. Alors pas de faute, Goudilay qui va rester au sol parce qu'il est mal retombé. Et les Lensois qui vont faire sortir ce ballon pour laisser les soigneurs brestois intervenir. Si tant est que M. Miguel Gori les laisse entrer sur la pelouse. On va voir ça, l'intervention est. C'était limite quand même, hein, Marcel Tisserand. Je pense qu'il y avait faute quand même. Voilà, l'intensité des encouragements qui redouble à nouveau. Le public en soi qui s'enclenche a besoin d'un second souffle et qui pousse effectivement dans cette 20e minute, 30e minute déjà. Et voilà, donc ce serait bien que les joueurs se retrouvent un peu l'allant qui était le leur en ce début de première mi-temps. Donc Le Soignier qui rentre sur son pied droit, le centre. Attention Nicolas Verdier, heureusement il n'a pas touché le ballon. Et Jérôme Lemoigne qui a pu passer son crâne pour relancer par l'intermédiaire de Ludovic Ball. Le long ballon de la Sainte Touré qui a gagné du terrain, c'était déjà ça. Ça permet au Lensois de s'installer à nouveau dans le camp breton. Allez, Touré, Ball. Attention, on ne peut pas perdre le ballon là dans l'entrejeu, c'est bien fait de la part de Lido. Il a tranquillement joué derrière lui pour faire tourner Marcel Tisserand. C'est compliqué mais c'est réussi. Marcel Tisserand qui continue son effort. Marcel Tisserand, il faut donner ce ballon. Ça a presque été le cas jusqu'à Damo Koulibaly.
Il a peut-être tardé un petit peu là, le latéral gauche Lensois. Mais bon, le ballon qui est revenu dans les pieds sont or. Avec une demi-balle. Allez, on saute au milieu de terrain. La déviation de Damok Koulibaly. Malheureusement, il y a le Tuzgar qui avait anticipé un peu plus dans la profondeur que latéralement. Allez, le plan, la bonne intervention. La bonne interception ensuite de Jérôme Lemoigne. Le Manjanari. Les deux balles, c'est bien joué. Allez, Marcel Tisserand qui a un peu de champ libre devant lui. Que va-t-il faire? Il préfère centrer à terre pour Adamo Koulibaly qui a essayé de laisser passer. C'est pas terminé. C'était un ballon assez compliqué à gérer. Allez, c'est pas terminé. Le bel effort là de Nomen Djonari. Marcel Tisserand. Koulibaly qui s'efforce de garder le ballon. Qui joue un petit peu à terre, mais voilà, le ballon est récupéré par les blancs du stade brestois. Attention, un moins B et la bonne défense de la Sainte-Touré qui ne s'est pas jetée. Très bien défendu. Allez, voilà, charge là sur Yann Tuzgar qui va rester au sol. Ah, des fois on a envie de se taire hein, pour vous laisser profiter de cette ambiance formidable. Tous les gens sont venus en couleur sang et or aujourd'hui. Allez, sauf notre réalisateur Cédric Barret qui est en dessous. On va pas lui en vouloir. Allez, Ahmed Kantari dans le rond central pour jouer ce coup franc. Avec Loïc Land par-dessus. Malheureusement, il n'y a qu'un Breton à la retombée. Un peu de réussite pour Nomen Djonari. Le ballon qui navigue un petit peu dans l'entrejeu. Et Gudilay qui va pouvoir écarter. Avec Ramaré qui passe la ligne médiane. Ramaré, un joueur que tu as bien connu. Hein. Un Boulogne notamment. Ouais. Très très bon joueur, très bon milieu de terrain, très technique. Est capable aussi sur des coups de pied arrêtés de très bien les frapper, mais bon là ils ont deux très bons coups francs, enfin deux coups francs entre Ramaré et Grugier qui sont pour moi deux très grands tireurs de coups francs en Ligue 2, je pense que c'est même les deux meilleurs. Ah, Tisserand, ça ne parviendra pas jusqu'à Gersali. Allez, les écharpes lançoises qui tournoient dans les tribunes du stade Boulard de Lelys. Alors je peux vous assurer qu'il n'y a pas que la Marek hein, qui s'en charge de mettre ambiance. Toutes les tribunes eh bien, font la fête. La tribune de la cour, la tribune de Pagnot et la Trana également. Alors, comment on va gérer là cette touche? C'est jamais évident à jouer quand on est pas loin de son poteau de corner. La Sainte-Touré qui va allonger et Adamo Koulibaly qui va prolonger. Allez, les Bretons en possession du ballon. Edgar Sali qui va faire l'effort. Koulibaly. C'est intéressant ce qu'il fait là de latéral. Il n'a pas perdu le ballon. Ses deux crochets ont fonctionné. Et toute l'habilité technique dont tu parlais à l'instant de Ramaré pour cette transversale jusqu'à Le Soignier qui peut décaler jusqu'à moins B. Et la bonne défense une nouvelle fois de la Sainte-Touré. Le Soignier, moins B qui va pouvoir centrer. Attention à ce ballon qui arrive jusqu'à Ramaré, la frappe heureusement complètement dévissée. Est-ce que le ballon va sortir? Non, on va faire l'effort, sinon ça sortira. Léger temps mort dans cette... Allez, un petit temps mort tout simplement pour dire, Johan, il est 20h08, et il y a 16 ans, eh bien, t'avais les bras au ciel, à Auxerre. Voilà. 16 ans, jour pour jour, et c'était à la 53e minute exactement, qui donnait l'égalisation du Racing. Voilà, on vous tire un coup de chapeau, parce qu'aujourd'hui on pouvait faire... difficilement autre chose que t'inviter à nos côtés aujourd'hui. C'est avec plaisir que je suis là. Et en tous les cas, on espère qu'il y aura autant de joie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On espère en revivre une soirée comme on l'avait vécu il y a de cela quelques années.
il y a 16 ans. Hein. Cela ne nous rajeunit pas, comme disaient certains dans certaines émissions. Voilà, mais tous les supporters de Lançois se souviennent d'où ils étaient, ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Il y a des moments comme ça. Donc c'est toujours, voilà. C'est toujours sympa. Ouais. Mais bon, c'est un peu réducteur. Hein. T'as pas marqué qu'un but, et t'as pas fait que ça non plus dans ta carrière. Il y a eu d'autres choses. Oui, mais bon. Ça fait partie des bons moments. Voilà. Allez. On va pas tarder à rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. On l'a dit, une très bonne entame de match du Racing. Après quelques difficultés, les plus grosses occasions à mettre au crédit des Bretons. Mais bon, l'essentiel est pour le moment est préservé. Puisque il en soit, pour l'instant, eh bien, obtiennent ce match nul qui permettrait eh bien, allez, d'être en Ligue 1 quasi officiellement. Simplement parce qu'au niveau du goal average, les Lensois sont largement devant Nancy et Niort. Mais bon, nous, une victoire 1-0 à la 92e, on signe tout de suite. Tisserand, Cantari et Jean Lemoigne qui essaie de jouer dans la profondeur. C'est repoussé dans un premier temps, second ballon Adamo Koulibaly, malheureusement c'est dégagé par Simon Fallette. Le duel entre Sali et le Soimier, là aussi il y a de la qualité technique chez le milieu excentré breton. Koulibaly, Grougy et le ballon, ouais, le tacle par derrière de Jérôme Lemoigne. Alors à vitesse réelle, j'avais l'impression eh bien que le défenseur, le milieu de terrain Lançois avait pris le ballon. Apparemment ce n'est pas le cas puisque Bruno Grougy eh bien se tord de douleur là au sol. Ouais, on voit le tac, hein. Il a touché le ballon mais bon il a pris la cheville également du numéro 6 breton. Il n'y a pas de carton, on va dire que monsieur Miguel Gori est pour l'instant a été gentil sur ce coup là. Bon, on va dire qu'à la prochaine il va recevoir la petite biscotte. Ouais, hein. Je pense qu'il a noté et verbalement il a dû lui notifier aussi qu'il l'avait à l'œil. Alors souvent on les critique, hein, les arbitres, c'est vrai qu'ils ont un rôle difficile. Mais ce soir, voilà, on va lui tirer un coup de chapeau pour l'instant, après 41 minutes. Pour l'instant, minutes. Je pense qu'il a sifflé, comme vous disiez tout à l'heure, à bon escient, les décisions sont justes. Il garde le match en main sans abuser de son autorité. Voilà, il a averti quand il le fallait. Alors attention, on a changé de tireur. Côté breton, c'est Ramaré qui va le frapper. C'est frappé au deuxième poteau. Et pour le coup, tant mieux, ils sont un peu loupés. Quand je vous disais qu'ils tiraient bien. Voilà, c'est souvent quand on fait des compliments, de toute façon, qu'on se rate derrière. Joanne Ramaré, hein, qui a joué plus d'une centaine de matchs avec l'USBCO, à qui on, club maritime, à qui on souhaite le meilleur, hein, un peu en difficulté dans le championnat national. Ouais. Verdi et la remise en retrait un petit peu compliquée. Ça va permettre au Lançois de jouer cette touche dans le camp breton. Et de toute façon ici à Bollaert et même à l'extérieur on est habitué hein, que les Lançois soient à bien meilleurs en seconde période et qu'ils sont premiers dans cet exercice. Si bien sûr on jouait de la 45e à la 94-15e minute, les Lançois seraient largement premiers. Malheureusement, en première mi-temps, eh bien, les Lensois occupent la 15e place. On a souvent vu une équipe sans ailleurs à réaction cette saison. Mais bon, elle nous a plu quand même. Elle a montré du cœur, elle a montré du talent. Mais je pense qu'on sent beaucoup de solidarité, encore une fois, comme vous le disiez, les attaquants défendent. Il y a beaucoup d'abnégation dans chacune des courses qui sont faites. C'est bien heureux d'ailleurs que la solidarité paye et que Lens se retrouve à cette place et j'espère qu'il va la garder jusqu'à la fin. Voilà, on l'a dit, on l'a déjà répété, mais c'est vrai que pour les côtoyer au quotidien, c'est un bon groupe de mecs, et ça aussi c'est important.
Des fois, c'est peut-être même plus important que le talent. Alors, bien sûr, sans talent, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si vous n'avez pas ça, vous passez pas. Donc, c'est la base. Et après, s'il y a du talent en plus, effectivement, là, on peut faire de très belles choses. Mais sans la solidarité, l'abnégation et la, voilà, encore une fois, la cohérence du groupe, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Attention au coup franc à venir. Ça serait dommage d'encaisser un but maintenant. Frappé par Grougy et c'est dégagé en premier rideau par Jérôme Lemoigne. Mais le ballon est toujours encore en soi dans les pieds bretons. Qui se met à Traoré et la bonne défense de Marcel Tisserand. Attention, pas parti ballon, si c'était fait malheureusement. Attention, Traoré dans la surface de réparation, le centre entré. Le ballon qui arrive et la parade d'Alphonse Arola qui a failli relâcher ce ballon. On va dire que c'est une parade une nouvelle fois décisive du gardien. Johan, on va voir cette action et cette perte de balle que l'on aurait pu éviter quand même. Ouais, là c'est une situation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de temps en temps il vaut mieux jouer une touche ou un corner que de prendre un risque comme l'a fait Tisserand là. Effectivement, là il n'était pas en position facile, dos au jeu, dans son coin, au pied du piquet de corner. Donc voilà, il vaut mieux des fois mettre en touche et c'est une sécurité. Voilà, on a vu la vivacité du gardien en soi pour toujours très rapide, hein, c'est même surprenant par rapport à son gabarit, la vivacité au niveau des appuis qui lui a permis de se coucher sur ce ballon et derrière la prise de balle impeccable. Ce qui est perturbant dans ce match, c'est que quand on arrive à toucher les attaquants en soi, on sent qu'ils sont capables de faire la différence et de créer le danger quand on les touche dans de bonnes conditions. Malheureusement, c'est pas assez souvent le cas. Et à l'inverse, on sent une équipe défensivement relativement fébrile. Je crois que Brest a dû se présenter 3 ou 4 fois dans la surface de réparation et ça a été 3 occasions très très franches. Donc c'est un équilibre qui n'est pas encore tout à fait trouvé et j'espère qu'en seconde période ce sera le cas pour être un peu plus cohérent dans le jeu, je pense. On va leur faire confiance au Lensois pour rectifier le tir. Même si pour l'instant on revoit, hein, la frappe enroulée, la prise de balle d'Alphonse Areola. Alors, on est dans le temps additionnel de cette partie. 2 minutes ont été accordées. Allez, Yann Tuzgar, le ballon, on n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Il a voulu trouver Edgar Sali, il n'est pas parvenu. Allez, Jérôme Lemoigne vers l'avant. C'est bien joué pour Edgar Sali. Il s'en est fallu peu pour que le ballon parvienne jusqu'à Yann Tuzgar. Allez, pourquoi pas la dernière offensive en Suarez avec Marcel Tisserand. Marcel Tisserand, on s'est pas compris là avec Edgar Sali. C'est dégagé à la retombée. Ludovic Bell, un peu de réussite pour le Guyanais. Marcel Tisserand. Épaule contre épaule qui perd son duel. Mais voilà, il a fait preuve d'abnégation et a pu regagner ce ballon. C'est un petit peu brouillon là-bas ce qui se passe sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Et voilà, c'est la fin de cette première période. 0-0 entre les deux formations. Yann, on l'a dit, il va falloir trouver un certain équilibre à la fois défensivement et offensivement pour trouver des solutions pour espérer faire la différence en seconde période. Oui, je pense que Lens a effectué 10 très très bonnes premières minutes où ils auraient dû marquer. Je pense qu'ils avaient vraiment la mainmise sur le match avec où ils ont étouffé complètement les Brestois. Et puis au fil du match, Brest a pris un peu plus confiance, les milieux et les défenseurs sont un peu moins sortis. Du coup, ça a permis de créer quelques brèches et j'ai envie de dire qu'on s'en sort plutôt bien sur cette première période, car si Brest menait 1-0, ce serait pas volé. Donc voilà, maintenant la seconde période, je pense qu'Antoine va rectifier le tir et va permettre d'évoluer et d'avoir plus d'équilibre dans le jeu pour justement soutenir un peu plus les attaquants qui se retrouvent un peu trop souvent esselés pour faire la différence. Voilà, en espérant que tes joueurs t'entendent, qu'Antoine Camboret t'entende, même si bon, je suis sûr qu'il sait ce qu'il a à faire. Voilà, on va se quitter là-dessus. Première mi-temps, on va dire un petit peu difficile pour les Lensois, mais bon, l'essentiel est préservé. 0-0 ici au stade Bollard de Lille. On se retrouve pour la seconde période. Allez, dans quelques minutes, à tout de suite.
Voilà donc, c'est la mi-temps de ce match, on a un jeu de notre partenaire Unibank et le jeu est très simple, vous voyez, côté but de la Cour d'Europe, 6 candidats dans des bulles avec un ballon, le premier qui arrive à les mettre d'un but dans le but de la Rana gagne évidemment le grand jeu Unibank. Attention, on va donner le coup d'envoi, on y va, attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, en musique. Thank you.
Alors, il y va être pour aller vous faire le site de France pour les soutiens de ses enfants. Et maintenant, il propose de parier avec les meilleurs clubs sur le basket de France. Est-ce que les options vous permettent de profiter de 100 euros de paris gratuits? Et nous sommes plus auxquels je pose des rappeurs en vous inscrivant avec le code de RC Lens. Numérique de câble de confiance. Est-ce que je propose de vous passer à la libre? Le meilleur des séries des sports au cinéma, plus la meilleure production et au début, découvrez la boxe, une préfère une américaine pour boutique, son américaine pour répondre 10-10-55. Voilà, le match qui a repris à l'instant même. On était un petit peu surpris par cette reprise. C'était très rapide. On assistait à de superbes scènes de joie pendant la mi-temps. Avec, je vous en parlais tout à l'heure, les anciens qui ont été présentés dans la tribune Marek. Et image incroyable. On va quand même voir cette action avec Johan Tousgar qui va gagner son duel là-bas face à un défenseur breton. Face à Koulibaly. On va faire tourner par derrière.
Ahmed Kantari qui va crocheter, attention à ne pas perdre le ballon. Voilà, il a réussi à passer ce ballon jusqu'à le big ball. Tisserand qui va aller provoquer. Non, il n'y aura pas de faute, même si il s'est écroulé. Oui, voilà, pour terminer l'histoire, on a vu Eric Sikora en rôle de capot de la tribune Marais. C'est des images qu'on aime bien voir, ça, Johan. Non, mais c'est incroyable de voir ça. Je pense que c'est le seul club en France, peut-être même en Europe, où il se passe un phénomène comme ça. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est une ambiance particulière avec. C'est presque indescriptible tellement c'est sympa à voir avec cette communion entre anciens supporters et les nouveaux joueurs bientôt qui vont sur le terrain aussi donner toute la joie aux supporters pour faire la fête. Et le ballon profondeur pour Yann Tuchgarker, mais la surface de réparation, il est complètement excentré, il se retourne pour Adamo Kulibaly, la frappe, elle est contrée, non, ça passe juste à côté. Les Lensois qui réclament une main, Kedgar Sali qui est allé avec un peu de véhémence auprès de M. Miguel Gouri. Mais on a cru à l'ouverture du score sur ce bon appel en profondeur de Yann Tuchgar. La remise en retrait, la frappe. Malheureusement, ça ne donnera qu'un corner pour le Lensois. Allez, on peut sentir, hein, d'après les premières secondes de cette seconde période, que les Lensois étaient un petit peu remués dans les vestiaires. Voilà, ils ont la consigne d'appuyer sur l'accélérateur. Dans les premières minutes, le corner à venir, c'est bien frappé, Adamo Kulibaly qui place sa tête, malheureusement ça passe à côté. On l'a dit, hein, l'importance des coups de pied arrêtés, ça peut venir par là quand on a quelques difficultés dans le jeu, Yann. Tout à fait, oui. Et là, ça a de gros atouts sur ce domaine, donc il ne faut pas les négliger. Alors que là, on revoit l'action, il y a l'air d'avoir une main quand même. Bon, il est devant le corps, alors c'est toujours le gros problème un peu, et je pense que les arbitres... C'est très difficile pour eux de savoir quand c'est volontaire et pas volontaire. Je pense qu'il faudrait prendre une décision quand voilà, s'il y a main ou pas main, point barre, et pas laisser de subjectivité par rapport à l'arbitrage. Donc voilà. Mais bon, il me semble qu'il y avait quand même une main qu'on aurait pu siffler. Et je ne sais plus de quoi on parlait juste avant. Mais... je ne sais plus. On va revenir sur le score. Sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Effectivement, c'est des situations très intéressantes qui peuvent décanter un match et créer beaucoup d'allant par la suite. Voilà, concernant la règle, hein, main ou pas main, c'est vrai qu'il faudrait éclaircir un petit peu tout ça. Attention, le soignier qui va trouver. C'est Verdier là-bas qui va rester au sol. Et la contre-attaque lensoise avec Edgar Sali dans le rond central qui peut écarter jusqu'à la Saint-Touré qui apporte son soutien au niveau offensif à la Saint-Touré pour ce ballon intéressant, difficile à jouer, il s'est bien battu, Yann Tuchgar, c'est pas terminé, le ballon dans la surface, Edgar Sali en position de hors-jeu. Oh là, il y a quelques échauffourées, Edgar Sali qui a bousculé un petit peu, le Breton qui en a rajouté beaucoup. C'est Wilfried Mouimbé. Allez, ça s'énerve un petit peu. Pierre Vadivia qui est en train de s'échauffer et qui rappelle à l'ordre son jeune coéquipier. Antoine Camboiré qui est proche de l'arbitre assistant. C'est un petit peu confus tout ça. Allez. Tout ça va revenir dans l'ordre. Est-ce qu'on va voir quelques images sur ce qui s'est passé? On va voir ça. Edgar Sali qui va récupérer le ballon en position de hors-jeu. Voilà, légère poussette. Voilà, un vrai duel entre attaquant et défenseur. Peut-être un petit mauvais geste. Il le pousse. Ouais, puis la cabriole derrière du Breton qui en a rajouté des tonnes. Mais bon, attention Edgar Sali, on l'a vu, elle est un petit peu nerveux, on va dire. Mais on le sent avec une grosse envie et ça se traduit aussi par un petit peu d'agacement, voire d'énervement sur des situations un peu litigieuses comme ça. Mais voilà, il faut faire très attention de pas créer à un moment donné des gestes qui pourraient valoir un rouge et mettre l'équipe de Lens en difficulté. Garder son sang-froid, d'autant plus que pour l'instant, eh bien, les Lensois y sont en Ligue 1 avec ce match nul. D'autant plus que du côté de Niort et de Nancy, eh bien, ça fait match nul également. Allez, Alexis Thébault à la relance. Pour Koulibaly. Goudiaï, c'est intéressant ce qu'il fait là, le milieu breton.
Bougi, battu dans les airs par Mette Cantari. Et Goudilay qui peut aiguiller le jeu côté Breton en récupérant et en jouant côté gauche. Le soigner pour Goudilay. Là-bas pour Ramaré qui est solide. Heureusement, la passe est un peu imprécise. Ça oblige l'ancien Boulonnais à revenir en arrière. Allez, le soigner. Pour moins B. Le soigner à nouveau. Oh, la faute, allez, on va dire très généreuse, ouais. Accordée par M. Miguel Gori. Allez, espérons qu'on ne regarde pas cette main dans la surface non sifflée. Alors, c'est toujours la même chose, hein, quand on est brestois, on ne la siffle pas. Si on est lensois, on n'hésite pas. Ouais, je pense que le soigner a bien cherché ce coup franc et. L'arbitre s'est un peu laissé abuser à mon avis quand même sur cette situation. Et attention, on l'a dit, on le répète, il y a toujours danger sur les coups de pied arrêtés bretons. Parce qu'il va y avoir un coup franc à venir avec Bruno Grougy. C'est frappé, c'est bien frappé. Ce ballon qui file devant la cage d'Alphonse Areola qui a bien eu la trajectoire, mais on a retenu notre souffle quand même. On revoit tout à l'heure le travail de Yann Tusgar, la frappe. Et la main qui a failli tromper Alexis Thébault. Allez, le dégagement d'Alphonse Areola. Monsieur Miguel Gori là qui siffle. Alors peut-être l'a-t-on trop complimenté. On sent un peu d'agacement en ce début de seconde période là des deux côtés. Allez, on nous annonce que Nancy vient d'ouvrir le score face à Angers. Ça fait pas trop nos affaires. Et voilà, les Lensois ont toujours leur destin entre les mains. Plutôt entre les pieds hein, quand on parle de football. Allez, il y a de plus en plus de contacts là depuis le retour des vestiaires. Alors, il y a un joueur au sol côté breton. On voit le staff du Stade Brestois. Donc Alex Dupont hein, qui a la particularité, et ça depuis quelques semaines, et bien sûr son banc des remplaçants. Il préfère ne pas mettre de gardien suppléant et préfère avoir un joueur de champ en plus. Alors bien sûr on ne souhaite pas une blessure de Thébault, mais si tel était le cas, et bien. Il serait dans le beau drap de voir mettre un joueur de champ sur la ligne de but. Oui, après c'est un choix qui peut être justifié selon les joueurs à sa disposition sur le banc pour modifier selon plusieurs secteurs. Donc moi je pense qu'il a mesuré un peu le pour et le contre pour prendre ce genre de décision. Maintenant c'est vrai qu'il est quand même assez rare de voir un gardien blessé prendre un rouge. Donc voilà, ça fait partie des risques un petit peu de temps en temps, mais certainement que d'avoir beaucoup plus de possibilités de changement est plus intéressant que de limiter un risque qui est quand même relativement rare. Ouais, Marcel Tisserand qui se lance, et la lance bretonne. Et la Sainte-Touré qui a bien lu les intentions bretonnes et qui peut permettre à Adamo Koulibaly de repartir vers le but. Adamo Koulibaly dans la profondeur pour Yatusgar et malheureusement le bon retour. Là de Simon Fallette qui a bien coupé la trajectoire. Un très bon appel de Tusgar dans la profondeur, dans l'intervalle entre les deux défenseurs centraux. Malheureusement, Fallette a bien senti cette passe et est venu à temps pour couper. Sinon, c'était très très bien joué. Ah, le ballon dans la surface est dégagé par les Bretons. Et Verdier qui a pu dévier ce ballon. On est désormais à gauche avec le soigner et Goudilay. Goudilay pour le soigner à nouveau. Pris dans la tenace lensoise. Une tenace composée d'Edgar Sali, Lionel Nomendjanari et de Jérôme Lemoigne. Alors qu'on revoit hein, la passe et bon appel de Yuan Tousgar
il s'en est fallu peu pour que l'attaquant Lançois eh bien, marque le 13e but de sa saison personnelle. Si tel était le cas, eh bien, il y a un Tusgar qui égaliserait le record d'un certain Daniel Cousin en 2006 ou encore d'un Toifilou Maolida avec 13 buts marqués. Allez, Edgar Sali qui a prolongé de la tête. Traoré, Goodilay. Lançois qui met en place un pressing. Est-ce que ça va permettre à Jean-Noël de récupérer ce ballon? Dans un premier temps, oui, mais malheureusement, on a reperdu entre temps. Oh, ben, le maintenant qui avait anticipé et le Soignet qui a réussi à faire la différence. Mais voilà, le Malgache a fait l'effort. Et M. Miguel Gori qui revient à la faute. Moins B, le long de la ligne pour Nicolas Verdier qui a dézonné comme on dit. Qui est venu le long de la ligne. Traoré. Traoré vers Verdier. Verdier qui va pouvoir centrer. Le centre. Qui va partir jusqu'en touche là-bas. Il y avait hors-jeu, je pense. Mais... Ouais, voilà, c'est pour ça que j'avais l'impression que les joueurs n'avaient pas prêté attention au ballon. Mais ça avait été sifflé. Un peu difficile d'entendre les coups de sifflet de l'arbitre. Ouais, c'est clair. Allez, la relance à terre d'Alphonse Arola pour Alassane Touré. La déviation de Tousgar, c'est bien joué. Un geste compliqué qu'a tenté Adamo Koulibaly. C'est un petit peu brouillon, il y a une grosse bataille là dans l'entrejeu. Alors, sur les images, on ne voit pas tout, mais il y a pas mal de provocations entre Lançois et Breton sur la pelouse. Un match d'homme, comme on dit. Mais attention dans les provocations, ne pas tomber dans le panneau. Et comme tu le disais, Johan, tout à l'heure, ne pas pénaliser son équipe en faisant de mauvais gestes. Jean Lemoigne. Dans le rond central pour Ludovic Ball. Tisserand. Qui remet derrière lui vers Ahmed Kantari. Voilà, on va montrer de la patience côté Lançois. Loïc Land. Allez, le ballon en profondeur sera difficile à négocier pour le franco-ivoirien. On voit l'image, Adamo Koulibaly. Encore une fois, les trois attaquants qui se retrouvent alignés vraiment sur le front de l'attaque. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir un des trois qui viennent décrocher justement pour perturber un peu la défense centrale. Parce qu'après, sur des longs ballons, c'est relativement facile de défendre et ils ne sont pas vraiment mis en difficulté sur ce genre de situation. Alors que si un attaquant pouvait décrocher pour justement perturber l'axe central, à savoir s'ils doivent le suivre ou pas, ça ouvrirait quelques brèches et ça permettrait justement d'être plus performant et plus percutant dans les appels en profondeur. Le beau travail de Nomad Jonnery qui permet à Tisserand de prendre son couloir à gauche et de jouer vers Edgar Sali. Edgar Sali, et ce sera un corner parce qu'il s'est bien battu. Alors que l'on annonce plutôt une bonne nouvelle hein, avec l'égalisation angevine à Nancy. Comme quoi les Angevins, même s'ils n'ont plus rien à jouer dans ce championnat, bien jouent le coup. Allez, le corner de Nomad Jonnery. C'est frappé, malheureusement pas assez enlevé. C'est dégagé difficilement dans les airs. C'est le ballon toujours dans la surface. Alors retombe un Breton. Et Ludwig Ball, attention en dernier rideau. Voilà, qui peut jouer tranquillement sur le côté gauche. Ludwig Ball. Ludwig Ball, très bon travail là-bas côté gauche qui s'extirpait du marquage Breton. Ludwig Ball qui continue son effort et qui joue droit pour faire Adamo Koulibaly. Et la pénalty pour les Lançois sur cette faute sur Adamo Koulibaly. Le bon travail de Ludwig Ball récompensé Adamo Koulibaly. Qui s'est effondré dans la surface de réparation. On approche de l'heure de jeu de M. Miguel Gori qui n'a pas hésité un seul instant en donnant ce pénalty. On va revoir. Ouais, voilà, il y a une intervention par derrière, Johan. Et voilà, on va dire qu'ils sont un petit peu emmêlés les pinceaux. Il y a pénalty. Qui va le frapper? C'est Johan Tousgar qui a pris le ballon. Allez. C'est un très bon ballon de balle hein, pour Koulibaly qui se met bien dans l'intervalle et qui protège bien le ballon avec son corps. Qui oblige le défenseur Brestois à faire la faute. Très très belle action menée en tout cas par Ball. Allez, Johan Tousgar face à ses responsabilités. Un duel face à Alexis Thébault. L'attaquant Lançois face au portier Breton.
allez, on espère, pour l'ouverture du score, Lensoise. On a passé l'heure de jeu. Yoann Puzga qui se concentre sur le ballon, qui ne regarde que le ballon. Il attend le signal de l'arbitre. La prise d'élan. Et c'est arrêté malheureusement. Voilà, ça va être rejoué par contre, ce pénalty qui va être rejoué. Non, j'avais l'impression que l'arbitre assistant signalait. Il a fait signe quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, j'avais l'impression qu'Alexis Thébault avait gagné quelques mètres pour boucher l'angle, malheureusement. Mais je pense que Thébault a bien joué le coup, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il s'est déplacé le long de sa ligne pendant tout le moment de la prise d'élan de Tousgar, et ça a dû le perturber pour frapper. Allez, on va dire que ça n'est que partie remise avec cet échec de Yoann Puzga sur ce pénalty manqué par l'attaquant. Attention à Mouavé qui va pouvoir centrer. Heureusement, le centre complètement manqué. Encore une fois, ça ne doit pas perturber les Lensois. Ils ont encore le match en main. La situation est favorable pour Lens en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais ressenti à avoir suite à ce pénalty renté. Voilà, c'est comme une occasion, c'est pas très grave. Il faut continuer à percuter comme ils le font actuellement. Allez, on va trouver des signes positifs. Hein. La dernière fois que Dugard avait raté un pénalty, c'était face à Créteil. Et les Lensois s'étaient tout de même imposés. Voilà, on se raccroche à ce qu'on peut. Et ça, c'est une surprise. On m'annonce l'ouverture du score de la Lanterne Rouge de Ligue 2. Le CIA Bastia qui mène à Niort, 1-0. Allez, les Lensois sont en Ligue 1 à l'heure où je vous parle. Mais voilà, il y a encore plus d'une demi-heure à jouer dans cette partie. Allez, Yoann Puzga qui a décroché. Voilà, faute sur l'attaquant Lensois. Faute spectaculaire. Il y a Guidelay qui reste au sol. Yoann Puzga qui revient de blessure. C'est lui relevé sans trop de problèmes. Allez, faut pas trop penser à ce pénalty manqué, Yoann. On te fait confiance, tu vas trouver la différence, enfin le chemin défilé dans les minutes qui vont venir. Alors que Guidelay reste au sol. On va assister au premier changement côté breton avec l'entrée de Lavie, me semble-t-il. Voilà, les scores qui évoluent hein, dans cette seconde période avec Nancy qui mène désormais 2-1. Alors là, l'entrée donc du numéro 7, c'est Aguité, pardon, pas Lavie. Lavie qui ne fait même pas partie de l'effectif breton, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mes yeux m'ont un petit peu trompé. Jonathan Aguité qui va entrer, un attaquant. Pour l'instant, ça tarde un petit peu. On attend de voir si Guidelay retrouve ses esprits. Le coup franc à venir pour les Lensois. Ah, malheureusement, mal exploité hein, par le Racing. Et attention à la contre-attaque à venir avec Alphonse. Alphonse, attention à la contre-attaque. C'est bien joué côté breton avec le Soimier côté gauche. Le Soimier qui va jouer au deuxième poteau. Attention à Grougy, la reprise. Ça va passer à côté. C'est pas terminé. Oh, voilà, on s'est arrêté côté Lensois. J'ai bien l'impression qu'on a assisté à une nouvelle parade d'Alphonse Areola sur cette reprise de Grougy qui semblait sortir des limites du terrain. C'est, me semble-t-il, Verdier qui y a cru. On va revoir ça, Yoann. Verdier qui a remis en retrait. Il fait un très très bel arrêt au devant de... Il fallait y aller franco. Hein. Ouais. Bon, on le sait, hein, les gardiens sont souvent kamikazes. Ouais, souvent. Là, il faut aller l'être en tout cas, ouais. En tout cas, très beau compte de Brest et on voit qu'encore une fois, dès qu'on leur laisse un petit peu d'espace, ils ont la capacité technique de se projeter très vite vers l'avant et de se créer des brèches. Donc il va falloir vraiment être très vigilant sur les pertes de balles et encore une fois de rester très équilibré derrière pour pas se retrouver en nombre égal, voire en nombre inférieur pour contrer cette équipe brestoise. À la sortie de Nicolas Verdier, la passe de Jonathan Aïté, le premier changement effectué par Alex Dupont. C'est du poste pour poste. Alors entendez, un public lensois qui a encouragé Yoann Puzga. Faut pas qu'il sorte de son match. La remise en retrait intelligente de Marcel Tisserand.
de la tête pour Alphonse Areola. Allez, Jérôme Lemoigne. Ludo Baël dans le rond central qui va jouer en profondeur pour Adamo Koulibaly, devancé par Fallette. Sali côté droit qui a essayé d'éliminer son adversaire direct, qui a effectué un pressing, ça permet à Nomad Janari de centrer pour Koulibaly. On joue derrière pour Jérôme Lemoigne. Allez, attention Ludovic Baël, c'est un petit peu brouillon. Et le Guyanais qui effectue une faute. Faute sur Alphonse. Ramaré. La transversale jusqu'à Le Soimier. Le Soimier à la lutte avec Nomen Janari qui gagne son duel à la régulière. Yann Tusgar qui a apporté une solution en décrochant. Ah, malheureusement, sa remise trop imprécise pour permettre à Ahmed Janari de rejouer avec un de ses coéquipiers. Alors que du côté du stade Marcel Picot, on a appuyé sur l'accélérateur puisque Nancy mène désormais 3-1. Allez, on va pas trop s'occuper des résultats sur les autres terrains de Ligue 2. On va se concentrer sur le match qui se déroule sous nos yeux, cette 37e journée. Et ce match entre le Racing Club de Lens et le stade brestois 29. 29 comme le Finistère. Ramaré, contré dans un premier temps, récupération de Traoré qui joue vers l'avant. Allez, en 69e minute de jeu, c'est souvent à cette période que les entraîneurs procèdent à leur premier changement, histoire d'apporter un peu de son neuf. On va regarder du côté de la ligne de touche lensoise. Bien, voilà, j'ai l'impression que Pierrick Valdivia ne va pas tarder à entrer sur la pelouse. Le Soimier, Alphonse. Alphonse, c'est joli ce qu'il a fait. Là, le sombrero qui a fonctionné. Le décalage pour Moins B. Et la faute de la Sainte-Touré. Un match un peu plus haché, hein, Johan, depuis le retour des vestiaires. Ouais, ouais, on sent deux équipes qui un peu brouillonnent, qui ont du mal à s'organiser et qui. Alors beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté de part et d'autre, mais pas un jeu très fluide. Manque un peu de lucidité sur certaines phases de jeu et c'est pour ça qu'on a ce jeu un peu haché. Attention en tout cas à ce coup de pied arrêté avec Grougy qui va le frapper à mon avis très fort en rentrant en premier poteau. Allez, être vigilant au niveau de la défense. Attention, ce ballon qui est dégagé, le retourné acrobatique pour remettre dans la boîte. Et ce ballon a gagné par Marcel Tisserand. Et la touche rapidement jouée avec Ludovic Baël. Oh, voilà, c'est un petit peu raté là, le milieu de terrain en soi. Habitué à jouer sur le côté. Le premier changement opéré par Antoine Camboire. Edgar Sali qui va donc quitter ses coéquipiers, Pierre Valdivia qui va donc rentrer sur la pelouse. Allez, il va peut-être y avoir une redistribution des cartes, hein, Johan, puisqu'on allez, on va sortir un attaquant excentré et mettre un joueur dans le cœur du jeu. Oui, en même temps, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on se retrouvait souvent avec trois attaquants alignés, donc ce qui donnait pas beaucoup de solutions aux défenseurs lensois, voire au milieu défensif. Donc peut-être que cette rentrée va permettre justement d'équilibrer un peu plus le milieu pour donner de meilleurs ballons en tout cas aux attaquants et fluidifier un peu le jeu de Lens. Yohann Tousgar, il y a peut-être une faute sur Yohann Tousgar qui était, c'est pas terminé, Adamo Koulibaly qui fait l'effort. Monsieur Miguel Gori qui a couru vers Yohann Tousgar pour lui dire « Monsieur, il n'y a rien ».
Mais j'avais l'impression que Yann Tuchgar avait réussi à prendre le dessus. Goudelay, le dégagement de Moimbé qui s'est plus débarrassé du ballon qu'autre chose. Allez, la touche à venir pour le Racing devant le cop de la Marek. Goudelay qui oriente le jeu. Les Bretons obligés de revenir jusqu'à Alexis Thébault. Le dégagement. C'était la Sainte Touré qui était déséquilibrée. Ce sera donc une faute pour les Lensois. Cantari. Tisserand. La balle, on est dans la moitié de terrain lensoise. Aux abords de la ligne médiane. On redouble les passes côté lensois. Pour l'instant, le bloc breton est bien en place. Et la déviation qui a réussi là de Medjanari, le ballon qui a failli arriver jusqu'à Adamo Koulibaly. Sur ce centre, jouant une touche de balle par Jérôme Lemoigne. Allez, il faut donner quelques solutions là. La Sainte-Touré, Pierre Valdivia. Voilà, c'est fait. Pierre Valdivia qui va mettre le pied sur le ballon, qui va se centrer. C'est contré, ça ne sortira pas en corner. Le dégagement des Brestois. Et monsieur Miguel Gori qui va revenir à la faute. Voilà, le public qui siffle. Bon, ouais, pas s'impatienter. On sent le public aussi qui s'impatiente un petit peu suite à ce penalty raté là, qui a laissé quelques traces à mon avis sur l'équipe françoise. Mais il reste du temps, il y a encore moyen de marquer ce but libérateur. Et voilà. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut être un peu plus lucide sur certaines phases de jeu comme la balle l'a été notamment sur l'action qui avait amené le penalty. Aïté pour un de ses premiers ballons. Il en est dépossédé par Ahmed Kantari et Marcel Tisserand. Attention, on ne va pas se mettre en difficulté là-bas sur le côté gauche. Allez, Ahmed Kantari, attention, on ne va pas perdre ce duel. Ahmed Kantari, un peu en difficulté. Voilà, qui a concédé une touche, mais il y avait une faute signée au préalable. Alors, là-dessus, on va remercier un peu monsieur Miguel Gori. Parce qu'on s'était mis en difficulté un petit peu tout seul là-bas. Adamo Koulibaly qui a dévié ce ballon. Yann Tuchgar reprise avec son adversaire direct. Et voilà les efforts qui ont payé. La longue touche de Marcel Tisserand pour la déviation. Malheureusement, ça ne parvient pas jusqu'à Yann Tuchgar. Le ballon dans les airs et la récupération de d'Ahmed Kantari qui a essayé de changer de côté. Le soigné qui s'écroule un peu facilement. Allez, on va bientôt entrer dans le dernier quart d'heure. Et peut-être va-t-on voir des buts parce que c'est dans ce dernier quart d'heure que les deux équipes eh bien, en encaissent le plus. Alors, bien entendu, on espère augmenter ce côté à côté breton. On sait que les Lensois ont une faculté à bien finir les rencontres. Voilà, Goudelay. Assez propre hein, ce que fait le milieu là, breton. Récupérateur assez technique du côté des hommes d'Alex Dupont. Ouais, presque ils sont capables sur certaines phases de jeu de vraiment de pratiquer du beau football. Alors heureusement pour nous c'est pas tout le long du match. Mais il faut se méfier, ils sont quand même capables, voilà, encore une fois sur une séquence de porter le danger très vite devant le but en soi. La touche pour le Racing alors que. Voilà, c'est bien normal, les supporters qui crient on veut la Ligue 1, nous aussi, mais faut pas s'inquiéter, les joueurs la veulent également. Et pourquoi pas sur cette action avec Nomad Jenner qui perd un petit peu ses appuis, qui contrôle le ballon finalement.
pouvoir centrer avec son pied gauche dans la talonnade pour le centre de Pierre-Yves Valdivia, bien repoussé par la défense bretonne. Ça n'est que momentané puisque le ballon est récupéré par Alassane Touré. Le centre aussi est bon, Alexis Thébault qui a bien lu la trajectoire du ballon et qui s'en empare sans trop de problèmes. Public de Bollard-Delis qui chante les corons. C'est devenu une habitude depuis maintenant quelques saisons. Allez, le soin mis, Grougy à hauteur de la ligne médiane pour ramarrer. Koulibaly, ramarrer à nouveau. Bon, voilà Koulibaly, c'était Traoré avant. Vous m'excuserez. Attention, Grougy à 25 mètres des buts. Qui va pouvoir centrer. Et c'est dégagé par Alassane Touré. Allez, ne pas se tendre, parce que c'est vrai qu'on est même en tribune, il y en a un petit peu tendu. On aimerait bien voir les joueurs lensois faire la différence. Mais comme on le disait en présentation de ce match, il faut essayer de jouer libéré. Lemoigne. Le balle, le prochain un petit peu long. Allez, avec un peu de réussite, le ballon qui va peut-être parvenir jusqu'à Yuen Tousgar. Non, finalement c'est dégagé. Et Bruno Grougy qui met le ballon au sol et qui joue latéralement vers le soignier. Qui reçoit le soutien de Moimbé côté gauche. Moimbé qui va rejouer avec le soignier. Goudelay, la transversale jusqu'à Koulibaly. Le centre au premier poteau, faut pas se rater. Voilà, c'est fait par Ahmed Kantari. Koulibaly qui n'avait pas vraiment assuré son contrôle. Attention quand même, Haïté, ne pas le laisser se retourner. Attention, il y a un surnombre là-bas côté gauche. Le Swami préfère jouer vers l'intérieur avec Goodilay. Le Swami à nouveau. La faute de Pierre Valdivia. Pour l'instant, c'est Brest qui est en train de prendre le dessus sur ce dernier quart d'heure sur Lens. J'aurais eu tendance à penser que justement Lens allait pousser beaucoup plus fort. Et voilà, faut se méfier. C'est parce que Brest est capable, encore une fois, avec les joueurs qu'ils ont, de bien conserver le ballon, de se procurer des occasions, donc pas les laisser trop faire quand même, surtout quand ils sont à 25-30 mètres des buts. Et attention, Haïté qui est un petit peu seul dans la surface de réparation, le crochet et l'ouverture du score de Jonathan Haïté, un peu isolé dans la surface de réparation, le crochet enchaîné d'une frappe du gauche qui a... Allez, doucher un petit peu le stade Bollard-Delolis, l'ouverture du score bretonne. Allez, on espère que les Lensois vont pouvoir réagir. Allez, on voit Yohan sur ce ralenti, a été un petit peu esselé, le crochet et la frappe enchaînée, on ne peut pas grand chose. Ouais, il aurait fallu remonter même l'action un petit peu plus loin parce que c'est quand même invraisemblable qu'il se retrouve seul à 20 mètres des buts, mais voilà, il aurait fallu remonter l'action un peu plus loin pour comprendre cette situation. Comme je le disais, Lens qui subissait depuis 2-3 minutes, qui était relativement bas, et Brest avait la main mise sur le match, qui eux n'ont pas perdu de temps en tout cas pour mettre cette possession de balle en avant et pouvoir marquer. Donc voilà, maintenant Lens est dos au mur, c'est peut-être un mal pour un bien. J'espère en tout cas que ça va leur permettre de leur donner un coup de fouet pour cette fin de match et pouvoir au moins égaliser. Allez, il reste encore 10 minutes dans le temps réglementaire à jouer. Il y aura du temps additionnel. Alors qu'on voit Pablo Chavarria se préparer sur le bord de la touche. La faute sur Adamo Koulibaly. La faute de Simon Fallette qui s'excuse. Et le coup franc à venir
Alors on voit quelques stats hein, nous parvenir. Un seul tir cadré pour les Lensois. C'était celui de Johan Tusgar sur le pénalty. C'est, on va dire, trop peu, hein, malheureusement. Alors, le deuxième changement côté Lensois avec la sortie de l'Alena Nomen Gianari et l'entrée de Pablo Chavaria, l'Italo-Argentin qui a trouvé le filet à 10 reprises cette saison. On espère que le 11e, c'est pour ce soir, le coup franc à venir pour le Racing. Ça sera certainement un ballon décalé pour Pierrick Valdivia. La frappe de Cantari, c'était contré avec Grugy qui est sorti du mur. Le ballon qui revient dans la surface, malheureusement c'est trop long pour Pablo. Et ce sera un dégagement en 6 mètres. Alors on annonce l'égalisation de Niort face à Bastia. Et si les scores en restent là, et bien les Lensois seront dans l'obligation d'aller s'imposer pour s'assurer l'accession en Ligue 1. Enfin, pour en être vraiment sûr. Parce que, même si au niveau du goal average, on a encore un matelas assez confortable, il ne faudrait quand même pas jouer avec le feu. Parce qu'autant on peut contrôler ce qui se passe quand on joue. Encore que parfois c'est compliqué, mais contrôler ce qui se passe sur les autres terrains, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, Cantari pour Koulibaly, qui a perdu son duel face à son homonyme. Grugy. Le ballon qui était sorti. Bon, il n'y a pas à rougir hein, pour le moment, Johan, parce que c'est vrai que cette équipe bretonne eh bien, nous montre de belles choses ce soir. Oui, et puis je pense encore une fois sur la physionomie du match, même si la possession, je ne sais pas si on a les chiffres, doit être lensoise, je pense quand même les occasions franches ont été plus du côté de Brest, même s'il y a eu un pénalty encore une fois sur raté par Tusgar. Voilà, maintenant. Maintenant, je suis un peu. Pas déçu, c'est pas le terme, mais sur cette fin de deuxième période, on sent une équipe lensoise qui sait pas trop où elle doit aller. Je pense que le but leur a vraiment vraiment fait mal et ils sont un peu désorganisés, ils savent plus, presque plus, et ça manque un peu d'allant vers l'avant. Et d'ailleurs le public le fait bien sentir en leur demandant, je dirais, par quelques sifflets d'évoluer et de montrer un peu plus d'allant vers l'avant. Quoi. Alors, il y a un homme au sol là-bas. Côté breton. Alors, on a du mal à se relever là-bas. Alors qu'on a vu plutôt Alarbi Aljadi Yaoui à l'image, lui qui s'apprête à venir donner un peu de 109 à cette équipe lensoise. Ouais, c'est Bruno Grugy hein, qui est au sol. On aura du temps additionnel dans cette. Voilà, quelques sifflets pour accompagner le numéro 6 breton. Allez, la dernière défaite lensoise remonte au match face à Caen. Oh, c'était un petit peu dangereux là, ce qu'a fait Koulibaly. Les Lensois qui ont failli intercepter, malheureusement il n'en est rien. Allez, la contre-attaque d'Adamo Koulibaly. Allez, dans la profondeur pour Johan Tusgar. On lui met un petit peu sur le talon, c'est pas bien grave. On a essayé de rejouer avec Pablo Chavaria. Allez, récupération de Pierrick Valdivia latéralement pour Ludovic Ball. Voilà, on essaie d'emballer un petit peu plus cette rencontre. Marcel Tisserand qui va les provoquer. Tisserand, le centre, malheureusement. Ça trouve une nouvelle fois Guidiay, toujours bien placé et qui peut amorcer la contre-attaque. Attention, un contre à 3 contre 3 pour les Bretons. Guidiay qui a remonté tout le terrain et qui peut décaler côté droit vers Ramaret, qui va se centrer en une touche et se centre directement dans les bras d'Alphonse Areola qui relance instantanément. Allez, il n'y a plus vraiment à calculer. De toute façon, maintenant, il faut essayer d'égaliser, essayer d'emballer un peu cette rencontre. Chavaria, le centre, Tuan Tusgar à la retombée malheureusement qui ne parvient pas à contrôler.
Allez, Ludovic Ball à la régulière qui a récupéré ce ballon. Il n'a pas trop de soutien. Il privilégie la solution individuelle. Le centre pour personne. Ah, il y a trop peu de présence hein, dans la surface adverse. Mais je pense que physiquement, les Lensois ont beaucoup de mal à finir. Et les milieux de terrain ont beaucoup de mal en tout cas à enchaîner, à créer le lien entre la défense et l'attaque et vraiment soutenir les attaquants. Alors bien sûr, c'est pas notre souhait, hein, mais ça laisserait cette dernière journée avec beaucoup de suspense. On s'en serait bien passé. Pablo Chavarria qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Le dégagement de Le Soimier. Le duel gagné par Loïc Land qui va concéder tout de même la touche. Le double changement à venir avec côté Lensois l'entrée d'Alarbi El-Jadeyaoui. Avant cela, il y a l'entrée côté Breton. Alors tout d'abord, voilà le changement côté Lensois. Jérôme Lemoine, le capitaine Lensois qui sort et l'entrée d'El-Jadeyaoui. Et côté à Breton, c'est Manuel Pérez qui est rentré à la place de Bruno Grougy qui ne s'est pas remis de sa blessure là-bas sur le côté droit le long de la ligne de touche. Allez, en ce qui concerne le changement Lensois, c'est un choix un peu plus offensif, hein, Johan. Oui, tout à fait. Oui. Bah, je pense qu'Antoine a conscience de l'importance de pouvoir marquer au moins ce but là qui permettrait d'avoir le destin entre les mains encore. Allez, l'arbitre Gédéou pour son premier ballon. La faute de Boudilay qui va recevoir un carton. Et c'est l'arbitre qui va jouer le coup franc qu'il a obtenu. Diallo Boudilay qui reçoit donc ce carton jaune. Allez, bien négocié ce genre de phase. C'est frappé, c'est bien frappé. Malheureusement, c'est Ramaré qui a mis son crâne et qui peut écarter le danger. Le centre, ça revient. Pablo Chavarria, non, malheureusement, c'est pas terminé. La frappe de l'arbitre Jadeyaoui qui s'envole dans les tribunes de Bollard, malheureusement. Il y a peut-être une petite faute sur Chavarria, il me semble, quand même. Un tirage de maillot assez important. Mais On va voir ça. Ah non, ouais. Pardon. Ouais. C'est ton cœur Lensois qui a parlé. T'avais... Ouais, certainement, ouais, j'avais fort envie de le voir. Allez, 1-0 pour Brest, ici au Stade Bollard de Lelys. Ah, on pensait faire une belle fête ce soir. Eh bien, on va dire que ça ne sera que partie remise. Mais bon, il faudra attendre le déplacement à Bastia lors de l'ultime journée. La faute de Loïc Land. Ça va permettre à tout le bloc breton de remonter. Et bien sûr, et cette bonne guerre, on prend son temps côté des Blancs d'Alex Dupont. Le Soimier, Pérez. Le Soimier à nouveau, en rentrée pour moins B. Et récupération de la Sainte Touré. Allez, qui joue devant? La poitrine de Tousgar pour Koulibaly. Et le ballon qui est au sol. Ah, malheureusement, on lui a pas parlé ou on n'a pas pris l'information. Pérez par-dessus à la Sainte Touré. Voilà, faut s'imposer, il y aura un coup de sifflet final. Allez, il y aura 5 minutes de temps additionnel. On va y voir un signe. Ouais, alors que là, pour ne rien vous cacher, hein, on fait nos petits comptes avec Johan. Allez, la tête. Oh, malheureusement, Koulibaly qui passe à côté. Voilà, il y a
le panneau d'affichage qui nous signale que voilà, on bat un nouveau record d'affluence ici à Bollard avec la présence de 40 740 spectateurs. Il y avait vraiment plus une place à vendre aujourd'hui. Allez, derniers instants de cette partie. Dégagement en touche. On voit la banderole des supporters qui...